Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Je ferme la fenêtre, histoire qu'on n'ait pas de bruit. J'ai entendu un avion. 2 minutes. Ah oui, j'avais oublié, j'ai préparé un truc aussi. Aïe, aïe, aïe. Pour voir si ce que ça donne. Moi, je suis spécialement blanche. Ah oui, t'es spécialement blanche. Indeed. Attends, on va baisser un peu la luminosité. C'est un peu mieux, mais ouais. C'est pas ouf. On fait des tests lumière parce qu'on sait que c'est le dernier truc qui nous manque. Peut-être en réflexion comme ça. Il faut pas trop ce que ça change. Ça change pas grand chose. Bon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur Chronologie des femmes artistes 29. Donc comme toutes les semaines, on se retrouve. Donc on est jeudi, il est 21h. Et on poursuit notre petite enquête, investigation et découverte autour des femmes artistes à travers les siècles. Donc on parle ici des artistes qui font partie donc des pratiques visuelles, donc plutôt orientées beaux-arts. Donc on parle de peinture, on parle de sculpture, on parle de photographie, de dessin, etc. Voilà, et au niveau des périodes, donc on a plutôt mis une date de fin de nos recherches qui pour l'instant est en 1981 et qui remonte dans les plus loin qu'on a trouvé jusqu'à l'Antiquité. Donc l'idée c'est que dans la manière dont on procède, vous allez découvrir avec nous hein, si c'est la première fois que vous venez. Si c'est pas la première fois, vous savez un peu comment ça fonctionne. On fait un petit peu des recherches à travers les pages Wikipédia d'artistes de partout dans le monde. Et on lit un petit peu leur parcours, comment elles ont été formées, en quoi consiste leur travail, qui elles ont rencontré, etc. On essaye de passer les détails trop personnels, trop intimes, du style les mariages, enfants, histoire de cœur et tout ça, sauf si ça a réellement un intérêt, ce qui souvent n'est pas le cas, mais voilà, on essaye de sauter, ainsi que les choses qui sont un peu problématiques, puisque plus on remonte dans le temps et plus on a affaire à des choses qui aujourd'hui ne passent plus. Donc pareil, hein, vous verrez, on a des petits warnings en fonction si on en découvre cette semaine, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai un peu fait le tour sur de quoi on parle, et non, oui, le plus important, excusez-moi, ce qu'on essaye de chercher dans ces pages Wikipédia, c'est une date de première monstration, qui va être la première découverte pour le public. Et on place cette date sur notre frise, qu'on va vous montrer aussi un peu pour que vous ayez une idée du travail déjà accompli. Donc voilà, on découvre tout ça. Et c'est après tout ce qu'on a mis en place depuis le début, sachant qu'il y a eu plein d'évolutions, pour que vous puissiez suivre pendant les lives et après les lives, que vous puissiez retrouver les femmes artistes dont on a parlé, et puis continuer des recherches de votre côté ou juste revoir des œuvres qu'on aurait passées un petit peu rapidement, par exemple. Vous avez donc le Framapad qui recense toutes les artistes qu'on a découvertes par live, enfin par numéro de Chronologie des femmes artistes. Donc on le complète aussi en live au fur et à mesure de l'avancée de la du live, et donc vous avez aussi celles par exemple d'aujourd'hui qui vont être placées au fur et à mesure. Donc ça c'est un peu la première porte d'entrée, et vous avez aussi la même chose, vous avez un fil Twitter aussi qui va vous apporter des informations, notamment la page Wikipédia pour aller voir voilà, en live un peu ce qu'on dit. Alors Framapad c'est principalement ce qui se passe dans les replays. Et dans la description des replays. Salut, petit Kanken. Coucou. Dans la description des replays,
Il y a justement le Wikipédia, il y a donc toutes les sources là où on les a trouvées au maximum, et le manque de ressources aussi. Merci Nibbler. Tu peux aussi oui, il y a aussi Twitter, oui, en effet. C'est pour ça que tu as mis Twitter. C'est pour ça que j'ai mis Twitter. Parce que moi j'étais en train de dire bonjour, mais voilà. Donc sur Twitter, vous pouvez voir en live, plus les, directement aussi ce qu'on fait directement en live. Donc ça, c'est pas depuis le début, donc il y a aussi des épisodes qui y sont pas, mais du coup vous pouvez tout retrouver dans les replays, donc dans la chaîne YouTube. Je vais l'envoyer. Hop. Parce que moi j'ai toujours un espace quand je fais mon truc. Ouais, pareil, c'est juste c'est très très français tout ça. Ouais. Voilà. Et ensuite, du coup, en passant par la chaîne YouTube, vous allez tomber sur les superbes miniatures faites par mes soins, qui sont justement la base des vidéos. On va dire dans la base des vidéos. Les miniatures, la base de la vidéo. Pas vraiment. C'est une frise chronologique, donc en fait, c'est la frise chronologique à base. Mais tout ça pour dire que oui, il y a les vidéos, les replays depuis le 2. Et là, on en est au 29. Donc là, par exemple, aujourd'hui est sorti le 18. Je vais vous montrer ça, bien entendu, par la suite. Peut-être que je ferai un truc genre une petite commande en plus, histoire de rajouter. Mais ça ferait trop de commandes, peut-être. Bref. Voilà. Pour dire l'épisode qui est sorti, mais bon, l'idée c'est qu'il y a un épisode qui est sorti, c'est le chronologie 18, on va vous montrer de toute façon le Framapad. Il sera mis à jour en même temps que le Twitter. On a précisé d'autres choses, on fait des femmes artistes, on a un biais recentré. Oui, ça j'ai tout dit. Voilà. Là, la démonstration, pratique visuelle, Wikipédia qu'on utilise, c'est un biais. Les beaux-arts aussi, et on va devoir se taper aujourd'hui, donc bienvenue au club. Voilà. Donc on est bon, on est prêt. Ouais, petite précision pour les gens qui se regardent sur YouTube, ce stream est en 720p cette fois-ci. Et pour Twitch aussi d'ailleurs. Il est en 720p parce qu'on a un problème de utilisation de carte G. Pour dire, tout simplement, c'est que j'ai dû rattraper énormément de replays et de les uploader très rapidement sur YouTube. De façon à ce qu'on puisse être à jour en amont pour les prochaines vacances, entre guillemets. Et du coup, ça a pris masse de gigas. Vous comprenez donc du coup que j'ai baissé la qualité pour que ce soit en plus inclusif aussi sur Twitch. Donc de toute façon, c'est bien aussi. On est passé de Full HD à HD. Hein. Grosso modo, vous voyez un peu la différence. C'est très peu d'artefacts autour des typographies qui sont fines. C'est principalement ça. Mais sinon, vu qu'on va zoomer, on va dézoomer, vous n'allez pas avoir de problème, ne vous inquiétez pas. Et du coup, est-ce qu'on fait un petit, juste un petit focus sur la frise que tu... On va faire un peu. Et puis quand même les petites miniatures, hein, que tu mets en valeur ton travail. Et un petit focus aussi sur notre cher Modo qui est parmi nous. Bienvenue, ici Modo, vous avez le droit d'aller suivre justement Petit Cancan. Donc Petit Cancanou, sur son live Twitch qui fait du Last of Us en ce moment, le 1, et des surprises. Parce que semaine B, c'est des surprises, la semaine prochaine ça sera surprise. Qui était très bien d'ailleurs la dernière fois, je continue à le dire. On est allé pique-niquer. Voilà, donc je vais vous montrer du coup un peu la frise. Qui devient très chargée au fur et à mesure, mais c'est bien, c'est la première année, donc c'est cool. C'est déjà bien de trouver ça. Hop, donc on a nos manques de ressources qui sont ici, on commence par ça. Je les ai mis à jour bientôt, vous allez voir peut-être des nouveautés dans le futur. Donc Yaya de Sisycus, il fait jour derrière vous, il fait jour, il fait beau. Yaya de Sisycus qui était donc en moins 100. Elisabeth Sireni, voilà, ouais, bon, après, je vous montre, je dis les noms, mais en fait, je devrais vous montrer principalement les temps. Comme vous voyez, c'est vraiment très, progressif très au fur et à mesure. Au début, on a 1, 1, 1, 2, et après, voilà, évidemment. Voilà, 1800, c'est toujours un peu chargé, bien entendu. En fait, le 19e et le 20e siècle, comme je crois que je l'ai déjà dit dans un live, mais en gros, c'est logique qu'on ait de plus en plus de ressources, sachant que le 19e et le 20e siècle, c'est le moment où il y a le plus de recherches universitaires qui sont faites sur les femmes artistes, et là où on a le plus
de données, qu'on peut croiser des choses, des textes, des archives et tout ça. Et donc plus on remonte, plus il est difficile de trouver des archives et donc moins les personnes peuvent s'en emparer pour commencer des recherches, faire des colloques, écrire des bouquins et tout ça. Donc forcément nous on revient tout en bas sur la page Wikipédia, donc qui est l'archive de l'archive de l'archive de l'archive. Donc voilà, on perd un peu des infos. Et bien évidemment, voilà, il y a par exemple sur la période de l'Antiquité, on a une source qui est une source évidemment beaucoup plus ancienne au moment où l'Antiquité a été redécouverte et donc réétudiée, et c'est des mini traces quoi. Mais voilà, ça se voit assez rapidement que voilà, on a des siècles entiers pour l'instant. Alors pas qu'on n'a pas découvert ou qu'il n'existe pas, c'est juste que comme on a rebondi de page d'artiste en ouvrant les noms des femmes, voilà, on rebondit forcément dans des périodes, dans des endroits qui sont similaires, et il faut trouver, souvent quand on revient en arrière, c'est la professeure 2 ou la mère artiste 2, etc. Donc on revient dans le temps. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Voilà, et du coup, je vais quand même vous montrer la musique, parce que là, je suis en train de péter un fond sur la musique, mais il y a eu un petit problème sur le Aeroplane, les derniers trucs que je vous ai fait tourner en son, en fond. Il y a eu des strikes sur des trucs qui ne sont pas des strikes. Qui ne sont pas strikables. Très étrange. Et du coup, je me suis dit, ça veut dire que la playlist est un peu foirée, donc je vais vous montrer du coup ce que j'ai mis en fond. Et là, c'est la chanson de Yoshi. C'était horrible au début parce que c'était les cris de Yoshi, et maintenant on se retrouve avec Yoshi qui fait la méga teuf. Voilà. Donc ça c'est grâce à Modi du coup qui a fait tourner ce qu'elle mettait en fond. Je vais un peu baisser le son parce que je sais pas, moi ça me crie dans les oreilles, mais je pense que de votre côté ça va. dis-nous petit nous. Et God Tier, ouais bah voilà. Donc du coup ça c'est Game Shops, Video Game Studio Launch. Donc je vais laisser ça en fond, on va voir ce qui se passe. C'est que des jeux vidéo, donc normalement ça devrait passer. En plus c'est des remixes, donc on verra. Voilà. Je quitte, je vous montre du coup le Framapad. Voilà, donc le Framapad, hop, toute cette liste incroyable de qui personnes. Qui est la liste qu'on fournira à nos futurs sponsors pour leur dire voici le travail accompli. C'est ça, exactement. Nous avons travaillé et il y a de nombreux artistes qui ne figurent point dans les... dans les pages Wikipédia. Dans les pages Wikipédia. Ah. Et sur Aware. Donc par exemple là, je suis en train de rajouter l'épisode 28 du coup. 28. Ah oui, 28 de la semaine dernière. Et 28, il a déjà été mis à jour, et 29 du coup, que je vais faire en mise à jour continuelle. Là c'est derrière notre caméra, mais vous pouvez le voir si vous êtes déjà sur le Framapad. Voilà. Catherine de Bologne, par exemple, ne fait plus partie des manques de ressources, Elle était dans cet épisode-là, dans le 18. Ah. Donc voilà, j'ai regardé, peut-être qu'il manque la monstration, mais c'est peut-être juste ça, il faudrait que je revérifie du coup, rajouter le petit truc. Du coup, la sortie c'était le 18, qui est ici, on va sans doute avoir l'affichage de la miniature avant, non. Alors je vais vous montrer donc le 18 avec Catherine de Bologne qui est en première justement. C'est sur YouTube, vous pouvez y aller directement, voilà, tout est libre d'accès. Vous pouvez tout voir directement sur cette magnifique chaîne avec ce magnifique... Regardez-moi, je kiffe les portraits. Regardez-moi ces portraits. Oh, c'est magnifique, ah ouais. Alors là, c'est des portraits de qualité. Moi, je trouve que ton travail de miniature est de plus en plus perfectionné, parce que là, il y a carrément des notions de premier plan, second plan, et tout ça, c'est vraiment, là, on est sur un skill... En fait, ça a toujours été plus ou moins le cas, regarde celui-ci. Oui, non, mais là, c'est un skill du futur, là, il y a un truc. Du futur. Est-ce que t'aimes bien la miniature de Sludge Life, hein? Elle est magnifique. Et la miniature de Pikuniku? Encore mieux. J'adore. C'est beau. Voilà, donc du coup, le truc, c'est... voilà, je récupère le Framapad, je vais laisser Nibbler commencer tranquillement. Peut-être qu'on commence sur Augusta Sauvage. Ouais, parce que du coup, Augusta Savage, c'est
une artiste qu'on a découverte la semaine dernière et qui était la professeure de Béatrice Wood, oui. Et qui l'a beaucoup aidée à pouvoir s'installer aux États-Unis et à pouvoir y travailler, etc. Donc c'est comme ça qu'on l'a trouvée. Donc on commence par elle. Donc Augusta Sauvage, qui est née Augusta Christine Fels en 1892 à Green Cove Springs en Floride. Et elle est morte en 1962 à New York, et c'est donc une sculptrice afro-américaine, figure majeure du mouvement de la Renaissance de Harlem. La Renaissance de Harlem, d'ailleurs, c'est aussi un mouvement qu'on s'est mis de côté, puisqu'on... Enfin, moi je le découvrais, toi aussi, je crois qu'il y a beaucoup de poètes, écrivains, enfin, ça a l'air d'être un mouvement assez riche. Du coup, voilà, on l'a gardé de côté, mais on va pas l'aborder en détail ici. Alors, sa biographie, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc ça, on s'en fiche, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que son père s'opposait fermement à l'intérêt précoce de sa fille pour l'art. En 1920, elle part s'installer à New York pour étudier la sculpture à la Cooper Union, un établissement d'enseignement supérieur situé dans le quartier de Lower à Manhattan. Après un premier refus lié à des préjugés racistes, en 1930, elle bénéficie d'une bourse qui lui permet d'étudier la sculpture à Paris. Donc du coup, en 1920, née en 28 ans même. Donc elle commence à étudier à 28 ans, et c'est 10 ans après, donc à 38 ans, qu'elle a une bourse pour aller étudier la sculpture à Paris. C'est ça, 92, 8, je rajoute je ne sais pas. 30, je ne sais ah plus non, 38. Compter. 38. 28. Bon, en tout cas, voilà, on commence par cette première page qui est très très peu fournie, bien entendu, puisque vous voyez qu'on a directement en dessous biographie hommage, donc, et où on apprend que depuis 2013, un cratère de la planète Mercure est nommé Savage en son honneur. Voilà, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Apparemment, elle a été formée... Enfin, quand elle était à Paris, elle était à l'Académie de la Grande Chaumière. Ça, c'est ce qu'on voit sur la droite. Militante pour les droits de la personne humaine. Est-ce que si tu passes la page en anglais, on a peut-être plus de choses? Parce que là, c'est pas très fourni. Ah, voilà, d'accord. Wow, on passe de rien. Alors, on n'était pas censé... on n'était pas censé beaucoup traduire en anglais, mais bon. Moi, je me garde aussi un peu pour le dimanche, en vrai. Alors, bon, mais non, mais là, parce que c'était... Voilà, on a tellement plus d'infos que qu'on va quand même regarder l'anglais. Donc, on nous dit donc qu'elle était professeure... Je te laisse le début, peut-être, oui. Ouais. Donc elle a été professeure et son studio a été très important dans la carrière de toute une génération d'artistes qui deviendraient des artistes reconnus. Et donc elle a travaillé pour l'égalité des droits pour les Afro-Américains au sein de l'art, donc dans l'art. Déjà, ce sont des points qui pourraient être dans le page en français, hein. Quand même, c'est un petit peu important. Et apparemment, elle a travaillé avec Webb Dubois. Donc, Non, c'est... Ah oui, c'est un titre de son œuvre, non ? Ouais. Tablework, ouais. Alors, avec ou sur, mais c'est, en tout cas, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend, donc, Early Life and Work ? Donc, ok, donc ça, bon, après, on a su dans la page en français que son père s'opposait à ce qu'elle étudie l'art. Donc là, il y a des citations. Ouais, il pensait, ouais, d'accord, il pensait que sa sculpture, c'était une sinful practice, mais bon, en même temps, il était pasteur. Hein, donc. Voilà, bref. Alors, she persevered. Alors, elle a persévéré et at the principal of a new high school. Tu veux de l'aide? Ok. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que il faut que je me mette en route. Donc, bref, elle a été. Ils ont finalement sa famille a encouragé son talent et l'a autorisé à apprendre le modeling, enfin le modèle en clay, c'est quoi déjà? La terre La terre cuite.
Ouais, enfin, c'est la terre, quoi. La terre cuite. La clé, c'est de la terre cuite. Ok. Donc, elle s'est mariée en 1907 avec un certain John Timour. Ils ont eu un seul enfant, ok. Et après, elle s'est remariée, d'accord, d'accord, avec un, donc celui qui s'appelait Savage, donc il lui a donné son nom d'épouse. Et donc, après, elle va retourner à West Palm Beach. Ensuite, elle continue donc à travailler la terre, et en 1919, elle a gagné un prix. À la foire, C'est un stand en fait, elle a eu un stand à la Palm Beach County Fair, où elle a gagné un prix de 25 dollars. Ouh! Attends, à l'époque c'était avant la crise de 29. Hein. Ouais, mais 25 dollars c'est pas beaucoup quand même. Ça peut être. Mais c'était l'ancien dollar, donc du coup, je sais pas. Ça peut être cher, mais je suis pas sûr. Hein. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça va pas être beaucoup. Bon, en tout cas, elle l'a gagné pour l'exposition, la mise en scène la plus originale. Après ce succès, alors je ne sais pas c'est quoi ce mot. Sauce. J'ai jamais vu ce mot. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle a vendu. C'est... Ouais, c'est ça. Oui, ça doit être celle sans sauce. Ah, Modo, est-ce que tu sais S-O-U-G-H-T, donc le passé d'un verbe. Non mais ouais, regardez, je pense que. Rechercher. Ah, mais de quel verbe? Search. Oui. Quoi? Search. Mais non, search. Je sais plus. Je sais plus mes adverbes. Mon Dieu. Bon, en tout cas, on lui a passé une commission pour un travail à Jacksonville en Floride avant qu'elle parte pour New York en 1921. Elle arrive avec six. Mais bravo, merci beaucoup. Alors, donc, elle arrive avec une lettre de recommandation pour la Palm Beach County Fair De George Graham. George Graham Curie pour sa sculpture. Sullenberger. Pour le sculpteur Sullenberger. Oui. 4,60 $. Moi je veux. Le cours du dollar, c'est chaud quand même parce que 4,60 $, c'est. Bon. Ok, on continue. Alors. C'est un livre sur justement les femmes d'artistes. D'accord, ok. Donc. Attends, j'ouvre dans mon coin, excuse-moi. Ensuite, on nous dit quoi? Quand Borglum a découvert qu'elle ne pouvait pas se payer les cours à la School of American Sculpture, il l'a encouragée à poser une demande à la Cooper Union, qui était donc une école à New York, où elle a été admise en 1921. Elle a été sélectionnée parmi 142 autres candidats masculins, qui étaient tous donc sur la liste d'attente. Donc elle a fait un petit coup de poing dans la porte. Enfin non, parce que petite dédicace à Horizon Gull. Voilà. Donc son talent et son habileté ont impressionné l'administration, enfin les gens qui ont choisi la Cooper Union Council. Et donc elle a gagné un fonds, enfin on lui a donné un fonds additionnel pour avoir une chambre et un board et quoi. C'est une chaise. C'est une chaise. Board, c'est un bureau quoi. Une place. Ouais. C'est une chaise. En fait, c'est une chaise dans le comité en général. Donc quand elle a perdu, donc au moment où elle a perdu son soutien financier qu'elle avait dans son, enfin qui était son petit job, quoi. Elle a perdu son job et donc elle n'avait plus de moyens de s'en sortir. Donc c'est intéressant, merci petit cancanou. 25 dollars en 1919 ferait environ 386 $ aujourd'hui apparemment. Ah oui, c'est. C'est ce que je te disais, tu vois, la différence est énorme. Ok, ok. C'est comme l'ancien franc en fait à peu près. Donc, entre 1921 et 1923, elle a étudié sous la direction du... Enfin, dans l'atelier... Ça reste pas beaucoup. Dans l'atelier du sculpteur Georges Bristler. Et elle a donc obtenu un degré... Enfin, elle a été jusqu'à la quatrième année
Enfin, elle a fait un parcours de 4 ans en seulement 3 ans. Voilà. Oh. Donc, en 1923, elle a candidaté pour le Summer Art Program à l'école des Beaux-Arts de Fontainebleau. Je ne savais même pas qu'il y avait une école des Beaux-Arts à Fontainebleau, en France, donc. Et elle a été acceptée, mais au moment où le comité de sélection américain a découvert qu'elle était noire, ils ont enlevé leur offre parce qu'ils avaient peur des objections des femmes blanches du sud. Donc, petite ambiance quoi. Les sudistes. Sudistes en 1923, c'est petite ambiance quoi. Donc elle a été très affectée et elle a tout de suite questionné le comité en commençant la première de nombreuses batailles publiques pour l'égalité des droits dans sa vie. Donc voilà. Et appeals were made. Son intérêt s'est tourné du côté du gouvernement français pour réintroduire le prix. Le prix, ouais. Ouais. Donc ça a eu aucun effet et elle a été incapable d'étudier à la Fontainebleau School. Donc elle a pas pu aller, même si elle s'est battue, et donc voilà, et personne n'a voulu entendre raison. Et donc cet incident a eu une grosse couverture médiatique des deux côtés de l'Atlantique. Et qu'est-ce que ça veut dire? The sole supportive committee member sculptor. Ça veut dire qu'elle a eu son soutien. The sole supportive committee. La seule personne, le membre du comité qui l'a supporté est le sculpteur Emmons Atkins McNeil. Ok. Donc avec qui elle a partagé un studio. Qui lui à ce moment-là partageait un studio avec Henry Osawa Tanner et qui l'a invité à étudier avec lui. Elle l'a ensuite cité comme un de ses professeurs. Donc, une fois qu'elle a fini d'étudier à la Cooper Union, elle a travaillé à Manhattan dans une blanchisserie. Hein, le steam laundry, c'est une blanchisserie. Pour supporter ses besoins à elle et aussi ceux de sa famille. Son père a été paralysé après une attaque et la maison de sa famille a été détruite par un ouragan. Sa famille, donc, qui était de Floride, a déménagé dans un petit appartement à Wills, West 137 Street, que je sais pas où c'est, moi, parce que je suis nulle, mais c'est quelque part. Voilà. Et ils ont déménagé. Parce que là, en fait, ils précisent l'adresse. Hein. West, c'est Small West, c'est grosso modo, c'est la rue, quoi. Ouais. Donc, à ce moment-là, elle a obtenu sa première commande pour un buste. Donc elle a fait un buste en sculpture. De Webb Dubois. Oui, mais c'est quelqu'un de très connu, hein, si vous connaissez les sujets des coloniaux. C'est un sociologiste américain, socialiste, historien et activiste des droits civils des Noirs américains. Panafricaniste, pour ne pas citer. Mais je vous conseille, c'est une grande entrée sur tous ces sujets-là. Donc, allez-y. Ok. Donc, elle a eu commandé un bus pour la librairie de Harlem. Donc, sa sculpture... Donc, cette sculpture-là a apporté de nombreuses autres commandes, dont un buste donc de Marcus Garvey. Qui est aussi quelqu'un de très très important aussi. Un activiste politique jamaïcain qui est publisher. Ah, mais j'arrive plus à parler moi. Publisher, je ne sais pas le traduire. Publisher. Éditeur. Éditeur, merci. Éditeur, journaliste, entrepreneur et orateur. Il a créé la première. Il a été fondateur et a été le premier président général de Universal. Alors, je peux pas le prononcer sur Twitch. Beep. Improvement Association on African Communities League. Donc, ce qui a créé ça, et si vous ne connaissez pas ça, c'est quand même... c'est National Association of the Advanced of Colored People, donc le NAACP, qui est une des plus grosses associations et organisations
pour la lutte des Afro-Américains en Amérique. D'accord. Oui, donc en fait, son travail, il a suivi de près, enfin, il représentait des personnes aussi qui étaient, qui soutenaient du coup l'égalité des droits pour les Afro-Américains, quoi. Elle était, même son travail, il était très engagé aussi, finalement. Ouais. Donc, elle a fait aussi un buste. Moi, j'ai totalement changé le truc ici. Elle a fait donc un buste de William Pickens Sur. Donc comme disait 13 bis, donc qui était une figure clé du NAACP, et donc c'était Earn Praise for the... et qui a gagné donc Praise, c'est pas un prix, Praise P-R-A-I-S-E, non c'est les prières là, Earn Praise, non oui elle a reçu beaucoup de non, en fait, c'est praise, c'est plus de la, enfin, comme on applaudit, tu vois. C'est, oui, c'est, d'accord, d'accord. En fait, on l'a célébré succès, pour. On l'a célébré pour dépeindre un Afro-Américain d'une manière plus humaine et plus neutre, qui venait s'opposer aux stéréotypes du moment et comme le faisaient beaucoup de ses travaux. En 1923, donc elle s'est mariée avec Robert Lincoln Poston, a protégé de Garvey. Bon, il va mourir, ok, il est mort. Et wow, salut. Il était aussi, donc il faisait aussi partie de l'association que tu as citée tout à l'heure. UNIAACL. Voilà. En 1925. Savage va gagner une bourse à la Royal Academy of Fine Arts de Rome, et donc sa bourse va couvrir seulement les frais de cours, frais d'institution, et elle n'a pas été capable de rassembler l'argent pour voyager et pour les frais de vie sur place. Et donc, elle, encore une fois, elle n'a pas pu se rendre à Rome. Donc, là, c'était parce qu'elle n'avait pas d'argent et pas parce qu'on lui a refusé, mais voilà. En 1920, l'écrivain excentrique Joe Gould devient infatuated. Ah non, mais c'est quoi ces mots? Infatuated, ça veut dire qu'il devient... proche. En fait, il... Non, il est... Il adore, en fait, plus ou moins. Enfin, c'est comme ça que qu'on pourrait le traduire, c'est qu'il kiffe son travail, quoi. Ok, ok. Enfin, j'espère que c'est son travail. Ah non, c'était elle. Excuse-moi, parce que j'ai lu la suite. En fait, il est tombé amoureux. Ah, il est... Ouais, d'accord. En gros, il l'a un peu harcelé, quoi. Parce qu'il voulait trop se marier, oui, avec alors, elle. C'est ce qui est dit juste après. c'est presque... Ouais. Voilà, a priori, elle va pas se marier avec lui, hein, a priori, voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils ont précisé ça d'ailleurs. J'aime bien cette phrase. Eventually, peut-être, on ne sait pas, on n'est pas sûr, mais il a harcelé au téléphone. Hein. Il a quand même envoyé endless letters, virgule. Téléphone heure constantly. Compliqué, hein. Pas trop du harcèlement, ça va. Non, je pense que ça en est clairement, là sans le coup. C'est... tu m'as appelé trois fois. Petite ref aussi. Ah là là, tu m'appelles tous les jours, on s'est croisés deux fois. Bon. Ah, donc, tu l'as fini. Voilà. Alors, elle va gagner, donc ensuite ça va, je vais gagner le prix Autocan en 1928. À l'exposition, pardon, de 1928, qui s'est déroulée à la Harman Foundation, là où elle a soumis une œuvre qui s'appelait Head of a... Voilà, vous N-word. Lisez The N-word. On est sur Twitch, hein, rappelez-vous. Et ensuite, donc, elle a reçu des critiques... Alors, elle a reçu donc des unspoken, ça veut dire des critiques qu'on lui a pas dit tout haut, quoi. Des rumeurs, en fait, c'est grosso modo des rumeurs critiques. Enfin, voilà, en gros, on a dit dans son dos que son travail faisait de la fétichisation des personnes noires. De l'esthétique des personnes noires qui étaient à ce moment-là, donc avec quelque chose de très. Bah non, là, tu peux même dire que c'est le primitif noir. Oui, voilà, le primitif. L'esthétique du primitif noir. Qui était apprécié par les
personnes blanches avec de l'argent. Alors là, tu peux même préciser parce qu'ils ont utilisé un patron, c'est les financeurs en fait, non ? Non, c'est une manière de parler. Tu peux aussi utiliser les patrons blancs. Les patrons blancs. Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu aussi. De l'époque. Donc, c'est toujours l'ambiance. Hein. 1928, c'est l'ambiance. Hein. Et donc, elle va donc publiquement critiquer le directeur de la Harmon Foundation, qui s'appelle Mary Beatty Brady, pour son standard assez bas. C'est mauvais choix, en fait. Ouais, c'est mauvais choix, puis sa mauvaise considération pour l'art noir. Et son manque de compréhension dans la sphère, elle comprenait rien. Elle lui a dit qu'elle comprenait rien à l'art, en fait, à l'art visuel, de manière générale. Voilà, elle a un peu remis en place, hein. Gentiment toujours, bien sûr. J'ai un peu peur, en fait, là. Je sais que Zelda, des fois, ils ont du mal avec le son. Je sais qu'il y a la musique de Zelda, là, 2 minutes. Je vais essayer de couper, en fait. On va mettre autre chose. Vas-y, continue, je vais chercher de la musique en passant. Alors. On est un an après, donc en 1929, je ne sais pas ce que ça veut dire, pooled, donc elle a pris des ressources, on va dire, dans l'Urban League, à la Rosenwald Foundation. Quoi ? Ah non, elle a reçu des ressources de la Urban League, Rosenwald Foundation, et un prix qui s'appelait le Carnegie Foundation, et elle a eu des donations d'amis et d'anciens professeurs. Et donc, à ce moment-là seulement, après toutes les années où elle a essayé, elle a réussi à voyager en France au moment où elle avait donc 37 ans. Elle a vécu à Montparnasse et elle a travaillé dans le studio de M, donc ils mettent entre guillemets Félix. Ah oui, donc M. Bonetto, mais qui était M. Félix Bonetto Desgrois, a priori. Au même moment que ce studio a encouragé son travail, Savage a écrit un peu plus tard. Les maîtres n'avaient pas de sympathie, comme ils n'avaient pas d'idées précises Heidi en usually wish. Ah oui, et demandaient souvent que leurs pupilles. Leurs pupilles, leurs élèves. Tu peux dire pupilles en français. Ah bon ? Mais oui, c'est sûr. Élèves. Leurs élèves. Suivent leur méthode. Suivent leur méthode. Oui, en gros, c'était des profs qui. Mais ça existe toujours aujourd'hui. Hein, qui proposent en fait d'étudier à travers leur propre travail. Et donc, du coup, il n'y a pas trop d'émancipation et de mise en valeur du travail singulier des futurs artistes. Et donc, après cette critique-là, donc elle va commencer à travailler de son côté à partir de 1930. Donc ensuite, son talent et la reconnaissance de son talent va commencer à voyager au sein de la communauté afro-américaine et fundraising parties. Il y a des parties qui vont se construire à Harlem et à Greenwich Village. Et les groupes de femmes afro-américaines et les professeurs du Florida A&M vont tous envoyer de l'argent pour les études à l'étranger. Donc en gros, ce que je comprends, c'est qu'ils vont commencer à être de plus en plus à financer le fait que les Afro-Américains puissent voyager et se former de plus en plus. C'est ce que je comprends. Oui, oui. C'est elle qui va en fait donner plus de visibilité abroad, à tout le monde. C'est pas à l'étranger, remarque. Ça peut être aussi autour. Abroad, oui, c'est... Ouais. En 1929, avec l'assistance du fonds Julius Rosenwald, Savage va rejoindre l'Académie de la Grande Chaumière donc elle va faire partie de cette école à Paris. Donc elle va étudier la sculpture avec le sculpteur Charles Despiaux. Elle va exposer et gagner deux fois
un prix au Salon de Paris et à une exposition. Donc une exposition, pas universelle, ouais, mais une exposition ouais. annuelle, quoi. Elle va donc ensuite voyager entre la France, la Belgique et l'Allemagne, où elle va faire des recherches autour de la sculpture dans les cathédrales et dans les musées. Du coup, on a le fait qu'elle a exposé au Salon de Paris, mais on ne sait pas, on suppose en 1929. Ouais, et les autres fois, il n'y avait pas d'exposition, du coup. Bah non, parce qu'avant, on ne dit pas okay. qu'elle a exposé. Alors, son travail, on va peut-être arriver à savoir ce qu'elle fait, hein, au final, parce qu'on sait qu'elle fait de la sculpture, mais on ne nous a pas décrit plus comment elle faisait. Donc, elle va retourner aux États-Unis en 1931. Avec plein d'énergie qui venait de ce qu'elle avait réussi à accomplir et de ses études en France. Enfin, je rajoute en France, parce que je suppose Europe, que c'est en fait. Ça, en Europe. Ensuite, on arrive donc sur la Grande Dépression, qui a presque arrêté toutes les ventes d'art. Et donc, alors Pushton, ça veut dire quoi? Elle a persévéré. Donc elle persévère, et en 1934, elle devient la première artiste afro-américaine à être élue à la National Association of Women Painters and Sculptors. Et ensuite, elle va lancer donc le studio, son propre studio, donc qui s'appelle le Savage Studio of Art and Craft, qui était situé dans un sous-sol sur la 143e rue dans le West. La 143e rue de Harlem. La quoi ? 143e rue de Harlem. Ok. Et donc, elle ouvre son studio à tout le monde, à chaque personne qui voulait peindre, dessiner ou sculpter. Et donc, elle a eu beaucoup de jeunes étudiants, dont les artistes qui vont être les artistes qui dans le futur vont être très reconnus, comme Jacob Lawrence, qu'on a déjà vu, ouais, Norman Lewis, Gwendolyn Knight, qu'on a déjà vu aussi, ouais. Et donc un autre étudiant qui était le sociologue Kenneth B. Clark, qui a plus tard contribué à une recherche sur la décision de la Cour suprême de 1954 dans un Brown vs Board of Education qui a régi la ségrégation. Le fait que la ségrégation dans les écoles soit anticonstitutionnelle. Il fallait sortir. Donc, son école, a évolué au sein de la Harlem Community Art Center. La Harlem Community Art Center. Voilà, où 1500 personnes de tous les âges et de toutes les capacités ont participé à ces workshops. Ces ateliers, oui. Apprenant donc d'une équipe multiculturelle et montrant leur travail dans tout New York City. Dans tout New York, t'es pas obligé de préciser. Ouais, non, New York City. Voilà. Oui, tu me disais tout, oui. Dans la cité de New York. Faut préciser, dans la ville parce que c'est New pas York, l'état. Ville. C'est pas forcément l'État. Les fonds qui provenaient de la Works Progress Administration ont aidé, mais ont maintenu une sorte de... Non, mais il y a eu des problèmes il y a eu des vieux problèmes de discrimination. Oui, c'est ça. Ils ont ramené de l'argent, mais ils ont ramené aussi la discrimination qui va avec, quoi. Et donc, ils vont créer donc des problèmes entre Savage et le Work Progress Administration. Qui voulait ne pas la voir en tant que leader. Ah oui, ok. Donc il voulait donner du bif, mais pas mettre au centre du truc, c'est intéressant. Ouais. Donc, Savage, ça a été une des quatre femmes
Et une des quatre femmes et seulement deux Afro-Américaines à recevoir une commande professionnelle pour le Board of Design de la New York World's Fair de 1939. La foire de New York. Voilà, elle va. Foire mondiale, c'est l'exposition mondiale d'ailleurs. J'imagine. Je ne sais. J'imagine. Elle va créer donc la sculpture Lift Every Voice and Sing, qui est aussi connue en tant que The Harp, donc la harpe, qui est inspirée de la chanson de James Welton et Rosamond Johnson. Donc sa sculpture en plâtre de 16 pieds de haut, je ne sais pas combien ça fait en mètres, mais 16 pieds de haut. Ça fait pas mal. Mettez vos pieds ensemble, imaginez 16 pieds, puis ça fait ça. Voilà. Sinon, mettez 16 pieds en même temps. Donc, si vous avez 16 pieds, c'est le moment. Sa sculpture. L'œuvre la plus populaire et la plus photographiée de la foire. Il va y avoir des petites copies en métal qui vont être vendues. Et beaucoup de cartes postales de la pièce ont été commandées. Le travail était une réinterprétation de l'instrument, donc la harpe qu'on a vue. Réinterprétation du Milky Instrument. Ah non, et ça a réinterprété le... Je comprends pas ce que ça veut dire. Sounding board transformé into an arm and hand, c'est ça que t'as du mal? Non, je comprends pas le travail, son travail réinterprété, l'instrument musical. À réinterpréter pour... parce que c'est à réinterpréter parce que oui, c'est the musical instrument to feature. Je comprends pas le rapport entre pourquoi d'un seul coup il parle de. Le travail qui a réinterprété un instrument musical avec des caractéristiques de 12 chants d'afro-américains, de jeunes afro-américains des. Hates, donc c'est graduated Hates, c'est les hautes études, j'imagine. Comme strings, c'est comme les instruments à cordes, avec une harpe qui sonnait comme sounding board. Donc ça doit être Je crois comprendre, c'est qu'en fait l'œuvre c'était un. Non, mais parce que je... Vas-y, continue, je comprends pas ce que ça veut dire, parce que quand tu lis, on comprend pas ce que ça veut dire, en fait, là. Bah, en fait, c'est un instrument, c'est devenu un instrument, et voilà, je précisais quel instrument c'était. Après, on le verra par la suite, on comprendra mieux, mais apparemment, c'était un instrument qui faisait du son en reprenant les 12 chants... Est-ce que c'est ça? Parce que moi, je comprends que ça peut être aussi la forme de la sculpture, en fait. La forme de la sculpture, c'est... parce qu'après il y a écrit transform into an arm and hand. Bon, on verra après. Parce que là on n'a pas l'œuvre, donc c'est normal qu'on ait du mal libre. Donc, sur le premier plan, un jeune homme à genoux offre de la musique dans ses mains. Offre, tout simplement, tu peux le dire. Puisqu'en français, on n'utilise que le mot pour ça. With his hand, t'as des positions posées. Pourquoi? Parce que offrir, c'est toujours avec le geste, okay. C'est ça que je veux dire. Ah, ok. Donc Savage ne va pas avoir les fonds qu'elle souhaitait pour la faire en bronze. Et elle n'avait pas non plus les fonds pour la bouger et pour la stocker. Donc comme d'autres installations temporaires, la sculpture a été détruite. À la fermeture de la foire. On va pas pouvoir la voir. Parce qu'elle a été hyper photographiée, ils ont dit. Donc il y a forcément des traces. Ensuite, donc Savage va ouvrir deux galeries qui vont montrer. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être. Où les expositions vont être beaucoup reprises. Enfin, on va beaucoup en parler. Et donc il va y avoir aussi quelques ventes et ensuite les galeries ont fermé. La dernière exposition majeure de son travail s'est déroulée en 1939
Et donc ensuite, elle va être donc très déprimée par son, par l'étau financier qui avait, enfin par ses problèmes financiers. Et en 1940, elle va déménager à la ferme de Saugerties à New York. Donc elle va créer des liens très étroits avec ses voisins et accueillir sa famille et ses amis de New York dans sa maison rurale. Dans sa maison, quoi. Savage va cultiver son jardin et vendre des pigeons, des poules et des œufs. Et ensuite, on nous dit de KB Product Corporation, le plus grand vendeur et éleveur de champignons à ce moment-là, a employé Savage en tant qu'assistante de laboratoire dans la compagnie, dans la recherche contre le cancer de la compagnie. Facile, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, bref. Très perdu. Ouais, donc elle a travaillé, en fait, elle faisait que bosser là-bas, quoi. Ouais. Elle va donc pouvoir s'acheter une voiture. J'avais pas fini. Ouais, moi, je crois que c'était plus bas. Elle va donc acheter une voiture et apprendre à conduire. Voilà. Et donc, le directeur du laboratoire où elle travaillait va l'encourager à continuer sa carrière artistique et va lui, il va lui acheter des outils, enfin, de quoi continuer sa pratique. Et donc, elle va créer et enseigner l'art. Et elle va donc sculpter des amis et des voisins. Et donc, sa dernière commande a été pour le Knaust. Pour Knaust, ouais. Et était. T'es perdu? Non, mais la phrase, elle est trop... It was that... C'était ce que le journaliste américain et auteur Paul T. Bigelow, dont le père John était ministre des US en France durant la Seconde Guerre mondiale. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais bon... Ok. Donc, c'est quelques voisins... disait qu'elle était toujours en train de faire quelque chose de ses mains. Oui, bah en même temps, elle avait une ferme, et en plus, elle faisait de la sculpture, donc oui. Donc, la plupart de ses travaux en terre et en plâtre étaient en... Voilà, la plupart de ses travaux étaient donc en terre et en plâtre, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de les faire en bronze. Donc le buste qu'elle a réalisé le plus connu, il s'appelle Gamin, et c'est une installation permanente qui se trouve à la Smithsonian American Art Museum à Washington DC, et c'est une version en taille réelle se trouve dans la collection du Cleveland Museum of Art. Au moment de sa création, Gamin a été modelé partir de jeunes de Harlem. C'est l'œuvre qui a été élue la plus populaire, enfin qui a eu le plus de votes à une exposition qui rassemblait 200 artistes d'artistes noirs. Son style peut être décrit comme réaliste, expressif et sensible. À travers son art et son influence à travers la communauté artistique. Voilà, donc tout ça, c'est documenté, mais la localisation de la plupart de ses œuvres reste inconnue. En 1945, Savage déménage à Saugerties, à New York. Elle enseigne l'art aux enfants et écrit des histoires pour les enfants. Et donc, elle va mourir du cancer en 1962 à New York City. Et j'aime pas comment ils écrivent les... Complètement oubliée à la date de sa mort. Bah non. She was all but forgotten at the time. Ça veut dire elle n'a pas été oubliée à un moment de sa mort. C'est une phrase bizarre, mais... Ouais. Donc elle est reconnue aujourd'hui comme une des plus grandes artistes, activistes et enseignantes d'art
Et elle a été donc l'inspiration de beaucoup de personnes à qui elle a enseigné, qu'elle a aidé et qu'elle a encouragé. Allez, pause. Bon bah écoutez, pause, c'était très bien ce soir, hein, je vais aller me coucher. Voilà. Non, en plus il y a le reste, donc ce qui est ce qui reste, c'est Legacy, donc c'est ce qui est grosso modo le reste de l'influence de son œuvre. Est-ce que je le traduis ou on se garde un peu de... Ah vas-y, tu peux le faire. Moi là, j'avoue, mes yeux, ils ont fait comme ça à la fin. Mon cerveau, il voulait plus marcher en même temps qu'il traduisait. Alors, l'Institut des arts visuels, donc l'Institut d'art Augusta à Baltimore, est une école publique et est nommée à son honneur. En 2001, sa maison et son studio à Sugarties, a été listé comme dans l'État de New York comme une place historique, donc elle a été patrimoine, quoi. Comme sa maison, du coup, et son studio, donc là, il y a une répétition, par exemple. C'est le site le plus signifiant qui a survécu et qui est associé à sa vie productive. Comme artiste reconnu, bien sûr artiste, mais aussi du coup professeur et activiste. Sa maison a été restaurée et évoque donc la période où elle a vécu et sert d'interprétation sert de représentation. Pourquoi ils ont mis interprétation de sa vie et de sa vision créative. Ah, donc je pense que c'est pour avoir une vision de sa vie, voilà. Interprète. En 2007, la city de la ville de Green Cove Springs en Floride l'a nommée comme une artiste reconnue de Floride. Elle a été ensuite inductée de The Spring of 2008. Donc elle a été à l'initiative apparemment de l'automne de 2008. Donc le printemps de 2008. Donc j'imagine qu'ils ont fait un truc spécifique en automne. En printemps, je vais arrêter de dire automne. Aujourd'hui, son endroit de naissance est un centre de communauté. Donc, du coup, de community center, c'est les endroits où... on l'a pas expliqué, mais les community center, c'est les endroits d'accompagnement qui sont des ateliers et d'aide pour toute personne qui sont dans le besoin. Donc du coup, c'est un peu... C'est comme les community college, par exemple. Ouais, les community college, c'est pareil, c'est pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc du coup, en fait, c'est des écoles publiques, en fait. C'est des ateliers publics, les community centers, je pense. Voilà, pour le traduire rapidement. Et du coup, la biographie de Augusta Sauvage a été tenté, je sais pas pourquoi. Ben non, il a été écrit. A été lu. Intended for Young. Ah oui, a été prévu pour des jeunes lecteurs, comme il a été écrit par Alan Schroeder. Donc c'est dans ses mains, The Story, la vie de la sculptrice Augusta Sauvage, en traduit directement en mot à mot. Sachant que ça doit pas être ça, hein, et c'est In Her Hands, The Story of Sculptor Augusta Sauvage, avec l'accent allemand, je sais pas pourquoi, mais qui a été édité et publié plutôt en septembre 2009. Ce qui est hyper tard en fait par rapport à la date de sa mort en vrai. Oui. Par Lee et Lowe, donc c'est une compagnie d'édition. Les papiers de Augusta Sauvage sont toujours visibles au centre de recherche sur la Black Culture, donc le centre de recherche sur la culture noire, Schomburg, donc à la New York Public Library, donc la bibliothèque publique de New York. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de choses à regarder. Le problème, c'est je t'ai fait faire une pause, mais parce qu'on sait aussi que les prochains onglets sont en anglais aussi, donc on va faire sans doute des pauses. On n'a pas la dernière fois on a ouvert pas mal d'anglais parce qu'on a eu un gros passage d'irlandais et d'américain. On en a eu une la dernière fois qui était du coup c'était Béatrice Wood qui était sa... Attendez, excusez-moi, il y a un chat qui mange là. Bouge, bouge, allez.
qui mange dans nos assiettes, ce qui est compliqué. Qui lèche pour la millième fois la même assiette, où il n'y a plus rien dedans. Voilà, donc du coup, elle devient un peu insolente, je trouve, ce chat, mais on verra si ça se passe bien. J'espère. Surtout qu'elle a mangé, en plus, je comprends pas. Bref, l'idée, c'est que du coup, on va regarder un peu ses œuvres. On va aussi prendre notre temps pour regarder ses œuvres, je pense. Parce que vu la charge de travail de traduire mot à mot, je l'ai déjà fait dimanche en plus pour Omori. Je suis très content de pouvoir le refaire aujourd'hui et donc du coup de me faire des journées de traduction. En tout cas, sa première expo 1929 parce que c'était réécrit en bas à la Grande Chaumière. Ouais, bah du coup on va noter ça et on va regarder la suite. C'est toujours très long de traduire directement. On est désolé, hein, mais des fois il faut. Et on fait en anglais et on fait pas dans d'autres langues, donc désolé. C'est en espagnol, j'aurais pu le faire, mais ça va être compliqué aussi. Bon, alors là, et en italien, t'aurais pu le faire. On met 4 heures. Hein. Ouais, non. Moi, je peux pas faire une live traduction en italien. Mais petit cancanou, on touche pas à Nina. Hein. Tout va bien, t'inquiète pas. C'est juste qu'elle est un peu insupportable en ce moment. Je pense que la harpe, c'est celle-là, du coup. Ouais. Donc c'était bien, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y en a 12. Il y a 12. En fait, c'est donc la main qui tient... les 12 chanteurs avec donc le... Ouais, j'avais pas du tout imaginé Love comme ça quand j'ai lu bah le truc, ouais quoi. Mais moi non plus et Petit Cancanou non plus apparemment. C'est pas des enfants qui chantent à la place des cordes, elle avait dit. Bah d'une certaine manière si. Ouais si et, c'est ça. En fait on avait tous plus ou moins raison du coup. On avait tous plus ou moins raison mais on avait rien compris. Ouais, moi et je voyais directement l'instrument. Donc, et du coup donc c'est intéressant parce que là c'est donc une photo de là où c'était installé, et on voit aussi sur la page qu'il y a la petite reproduction en métal, du coup, qui est qui a été vendue, et donc qui est, je pense, plus disponible. Voilà, un peu plus meilleure qualité, quand même. Qui est beaucoup moins beau que l'œuvre qui est réelle. Oui, du coup, je disais qualité pour la photo, hein, bien entendu. Mmh. Donc ça, c'est les bustes, j'imagine, en clay, donc en terre. Bah ça a pas l'air en terre, ça a l'air en bronze. Hein. Non mais terre, elle a fait très peu de trucs en terre. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Ou alors c'est peut-être juste de la terre puis c'est ciré. La terre cuite, tu l'as fait chauffer. Hein. Oui, mais après il y a un après, enfin il y a un. Oui, après quand tu fais la terre cuite en général, tu l'as fait chauffer et ensuite tu vernis. Il y a un terme comme ça, si tu la glaces, je sais pas quoi, il y a un truc dont je me rappelle plus. Moi, je connais très peu la sculpture. Et c'est très, du coup, c'est hyper réaliste. Et effectivement, je pense que c'est quand elle disait que c'était plus une manière plus humaine, enfin plus humanisante de représenter les personnes noires, c'est parce que effectivement, enfin, si on se réfère aux visions époque, très très clichés, à la même époque, c'était compliqué. On a vu déjà des artistes faire des images qui sont en fait plus des caricatures qu'autre chose, quoi. Et il y a du coup la main là qui tient l'enfant qui est là pour le coup en terre brute. Ouais. Et du coup, le portrait qu'on avait vu la semaine dernière et qui du coup a fait la liaison directement avec ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est bien, mais il n'y a pas masse de travail, on peut l'avoir en portrait quand même, ça c'est cool. Dis bonjour au chat. Le chat qui veut parler au micro, hein, il est là pour ça. C'est soit il mange dans les plats qu'on mange, soit il m'embête pendant que je joue à Omori. Tu veux faire le stream? Et voilà, il veut participer, hein, il veut sa fame. Tu veux qu'on mette une Cam4? Une Cam4 comme Marinette Perrin, tu veux dire? Ouais. Donc ça, c'est une copie, par exemple. Oui, ça a l'air d'être un petit truc. Donc ça, c'était vraiment 6 pieds de haut. Bah, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté, justement, qui pour pouvoir nous montrer à quel point... Ah, bah, c'est un peu loin, mais... Bah, on se rend quand même compte, c'est pas énorme, mais... Ça fait 3 mètres. 3-4 mètres. Donnez-lui ses 15 minutes de fame. Bah oui. Mais... Bah en fait, elle les a hein, déjà. Hein. Je te rappelle que. Parle dans le micro. Mao, mao, mao. Parle dans le micro. Ah oui, mais c'est parce que c'est un dead cat. Je crois que on a un dead cat pour pouvoir protéger de tout notre souffle. Ça s'appelle un dead cat. Sauf que voilà. Mais... Allez, profite de tes 15 minutes de fame. Ça c'est vraiment la pause chat. Quoi. C'est incroyable. Ça va, Nina? Elle veut pas parler. Ouais. Pour une fois qu'elle est intimidée par quelque chose, c'est bien défendu. Qu'on lui a dit. On la mettra face constamment à la caméra, comme ça elle sera intimidée. Elle est un peu traumatisée. Micro. Non mais c'est normal. Mais elle est pas traumatisée. Bah d'habitude elle Arrête, fait. Arrête. On va nous accuser après comme Petit Cancanou l'a fait qu'on agresse notre chat, ce qui est faux totalement. Elle est trop aimée. C'est pour ça qu'elle est insolente justement.
Bon. Alors. Du coup, en 1929. 1929. Je ferme. Et si tu veux, je fais la prochaine traduction. Non, mais je peux, hein, c'est juste... Non, attends, si c'est pour te voir souffrir, ça m'intéresse pas trop. Hein. Non, mais c'est juste qu'il y a des tournures de phrases que mon cerveau, il veut pas capter en anglais, quoi, mais ça va. Ça va, ça m'entraîne. Non, mais là, c'était plutôt compliqué parce que c'était de l'anglais qui était pas voulu pour être traduit, je pense, clairement. Il y avait des trucs un peu complexes. Déjà, anticonstitutionnellement, hein. fallait la placer. Hein. Déjà, on a réussi à la placer, c'est ce qui est déjà un miracle, moi, je trouve. Bon, je le fais au pif, hein. Excusez-moi, mais je me permets de faire au pif, je recorrigerai comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Regardez bien, rien n'est calé ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas calé? Voilà. Augusta Sauvage. Savage. Et du coup, par exemple, cet artiste devrait être traduit en français. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas traduite en français, sachant qu'en plus, elle a travaillé en France. Ouais, bah, je pense que... C'est vrai, c'est un oubli. Bah, après, ça demanderait... En fait, le truc, c'est que quand tu complètes une page Wikipédia, par exemple, qui existe en anglais... Bah, normalement, c'est automatisé presque à Wikipédia, parce que Wikipédia, il considère que quand tu as déjà une version... la traduire, c'est validé. En fait, ils reprennent tous les liens qu'il y a dans la première version pour la mettre dans la deuxième. Donc, parce que là, entre ce qu'on a vu en français, qui a duré 30 secondes et... on va repasser en français, je te rassure. Sachant que là, on va repasser en français, mais ça va être le débat. Hein. Enfin non, on n'a pas de protocole de débat, donc il n'y aura pas de débat. Allez hop. Là, je pense que Nina, elle aurait une belle 4-cam quand même. Oui, mais là, non. On n'a pas de deuxième cam, donc voilà. Oh. Alors, donc, tu m'as mis sur cette page-là pour qu'on se fight. Non, j'ai mis sur cette page-là parce que c'est la seule en français. D'ailleurs, ah bah tiens, je suis déconnecté. Qu'est-ce qui se passe? Non. Je suis déconnecté? Qu'est-ce qui se passe? Bah tu peux pas le faire de là. Ouais, il dit que je suis pas connecté. Non, mais je vais le faire d'ici. Je vous embête, hein, mais si vous voulez la 4 cam, il faut... Il faut passer par là. Voilà. Donc meubles et jouets de conception innovante. Est-ce que c'est pas déjà celle que j'avais dit que je voulais pas qu'on la mette? Non, c'est pas la même. Du coup, tu veux pas traduire, tu veux pas parler, donc je fais Alma Siderhoff. Oui, mais est-ce que déjà c'est est une créatrice. Attends, faut que je lise le truc. Est une créatrice allemande issue de notamment de l'école du Bauhaus. Elle est connue pour ses meubles et jouets de conception innovante. Donc là, on peut commencer si tu veux. Et elle est née le 4 janvier 1999 et elle est décédée le 25 septembre 1944 à Buchlag, Dreich, maintenant. Donc, on avait dit que c'était visuel, mais ça, c'est visuel. Est-ce que ça compte comme argument? Je sais plus. Elle a fait du mobilier, des jeux de construction, des poupées à jeter. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est... On va regarder rapidement. L'atelier de sculpture sur bois. Ça compte. La popularité des articles pour enfants. Risque de déprécier la réputation de l'école. Ah, bah, oh, c'était contre les jouets d'enfants. Très intéressant. Ça m'étonne pas. Petit jeu de construction navale. Comme tu veux. Mobilier, jeu de construction. C'est après, il y a une pro. En fait, c'est pour ça qu'on avait. On s'était battu la dernière fois sur. Bon, sur elle, hein. On avait déjà dit, ouais. Mmh. Ok, du coup, je vais vérifier juste qu'elle est dans ce qu'on avait dit. Design. Oui, elle était déjà dedans. Et donc, du coup, on a bien voilà, fait. Voilà, parce que 13 bis me fait des feintes pour voir si j'ai toujours les mêmes arguments. Mais tellement pas, mais en fait, on a retrouvé aussi tout à l'heure. D'autres artistes qu'on avait enlevés en plus en anglais la dernière fois. Ouais, c'est trop bizarre, il y a des trucs qu'on a du mal à... Bon allez, je me lance. Attends, je vais d'abord vérifier. Je vérifie l'anglais, voilà, il n'y a pas de version française, donc voilà. Ça c'est court, tu vois, genre limite on n'aura pas assez d'infos. Donc, Alors on regarde, Mathilda Rothkirch, qui est née Mathilda Wilhelmina Rothkirch en 1800. Et elle est morte en 1842. C'était donc une peintre finlandaise.
elle a souvent été, on a souvent fait référence à elle comme la première artiste en Finlande, carrément. Première femme artiste, hein, du coup, femelle, pardon, j'avais sauté, mon regard avait sauté femelle. Et elle a fait principalement des portraits, donc en peinture. Donc, elle est née à Borga, donc en Finlande. Elle est la sœur du baron Karl Friedrich Rothkirch et de Augusta Friederika, Elisabeth Rothkirch, ok. Au printemps 1833, elle a fait son premier voyage d'études à Stockholm, où elle a étudié avec Johan Gustav Sundberg et Robert Wilhelm Ekman. Elle a été donc une des étudiantes du Royal Swedish Academy of Art entre 1833 et 1838. Elle a fait un voyage d'études entre 1840 et 1841 avec l'artiste Sophie Aminoff. Et je crois que Sophie Aminoff, on l'a déjà vu. On l'a déjà fait. Et donc son mari. Dans un voyage à travers l'Europe, elle a visité Lübeck, Hambourg, Cassel, Strasbourg, Berne, Genève, Milan et Paris, où elle a étudié avec le peintre suédois et designer Per Wickenberg. Elle est morte de un... C'est quoi Lug? Ah, Lug Alimentation, c'est une famine? Non. Je vois même pas où est le mot. Lune. Lung, non, c'est le poumon. Ah, Ailm. Ah, il y a écrit Ailment. J'ai lu Alimentation. N'importe quoi. J'ai lu Aliment. Non, ok, écrit, d'accord. Pas empoisonnement, mais c'est un truc genre niveau. Comment s'appelle Un truc au poumon. Paralysie, peut-être, ou un truc dans ce style, tu vois, genre un truc au poumon, quoi. Bon, en tout cas, elle est morte à 28 ans, dans l'année 1842, et elle a été inhumée dans son tombeau familial à Nazebacken, à côté de Porvoo. Elle a été présentée dans une exposition en Finlande en 1847, mais du coup, c'était après qu'elle soit morte. Ça compte? Ouais, je sais pas. Si, ça compte. Post-mortem. On n'a jamais eu le cas, en fait. Ouais, on n'a jamais eu le cas, mais pour moi, ça compte. Ça reste dans notre truc, c'est une monstration. C'est pas le fait qu'elle soit décédée que ça, tu vois. Parce que tu m'as arrêté, même si on trouve sa date de monstration, ça se trouve c'est dans 500 ans après, tu vois. J'avoue. En même temps, elle est morte à 28 ans, mesquine. Tu m'as arrêté, ça va me rester comme nom, je trouve ça cool. Ouais. Est-ce que tu peux juste regarder en bas, là, il y a écrit référence, et ensuite il y a écrit literature. Littérature. Ouais, bonne chance, hein, c'est du finlandais. Oui, comme d'hab, quoi. Ok. Peut-être juste, est-ce qu'on se regarde par curiosité sur... Wikimedia Commons? Non, sur le Google plus général. Aware, tout d'abord. Aware, faut regarder. Alors, parce que si n'oubliez c'est... pas Aware, je vais vous le mettre directement dans le chat, parce que de toute façon, apparemment, je suis pas connecté, il me dit. Apparemment, je suis pas connecté, donc là, on n'est pas en train de streamer. Hein. Nous sommes là virtuellement. Merci OBS. Moi, je pense que OBS, il n'était pas connecté à ce moment-là, donc il n'a pas aimé. Mais après, ce qui est assez surprenant, c'est que quand on tombe sur des fiches d'artistes comme ça, où il y a écrit « c'est la première artiste », on se dit que de fait, ce sera documenté, parce que c'est... Voilà, mais en fait, souvent, on ne trouve pas beaucoup d'infos. Carte blanche à OER au Festival de l'Histoire de l'Art. C'est bien, ça. Y a rien. Peut-être du côté finlandais. Hein. Mais bon, la traduction finlandaise, compliquée. Bah sinon, mais la page en finlandais, on fait traduction en français. Google Art and Culture. Avec des superbes images. On va pouvoir voir les œuvres normalement. Si ça fonctionne. Si ça veut bien s'ouvrir. Il y a juste ça. Ouais, il y a juste ça. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est une page blanche. Merci Google de faire tout automatisé et de pas capter qu'en fait vous envoyez des pages blanches. Mais on a pas... Non mais attends, je regarde du côté... on a dit qu'elle était finlandaise, c'est ça? Il n'y a pas le finlandais, même pas en traduction. Il y a en suomi, mais il n'y a pas de finlandais. C'est svenska, peut-être? Non, je pense pas. Svenska, c'est swedish. Ah ouais, bah essaye alors. Ah, c'est le plus près de Finlande. Oh my god, ça a l'air aussi long.
Attends, je traduis. J'ai traduit le direct. Ah non, il y a plein de trucs. Oh, alors, j'ai traduit direct, mais c'est du Google Trad. Hein, là, faut faire attention au tournure de phrase. Hein. Bah, on va juste chercher. Il y a pas mal de choses, hein, sur sa vie. Le voyage d'études, donc ça, on avait vu. Tu peux faire des rapides raccourcis de paragraphes. Hein. Ouais, ouais, non, mais je regarde par rapport à ce qu'on a. Il y a écrit que il y a des informations sur son travail dans The History of the Performing Arts. Quoi ? Qu'elle aurait dû étudier à l'Académie des Beaux-Arts, mais elles ne sont probablement pas correctes car les femmes n'y avaient pas accès à ce moment. Ouais. Après un séjour d'1 an à Stockholm, elle est retournée à Turku et a travaillé pendant les 2 années suivantes, en partie sous la direction d'un professeur de dessin norvégien, et en partie seule. Elle a déménagé ensuite, donc sa mère Stockholm. Et ses filles à Stockholm. Elles sont restées 2 ans. Mais elle s'appelle pas Mathilda, elle, si. Ah oui, pardon. Oh là là, elle a repris ensuite ses études pour Sandberg et Ekman. C'est trop bien. Elle est devenue membre de l'association d'art et elle est entrée en contact avec la peintre Sophie Alderper. On a un nom de femme. Allez hop, ouvert. Qui a vécu occasionnellement avec la famille, machin. Elles ont souvent peint ensemble et ont développé une amitié. En 1838, deux des peintures de Rotkrit ont été montrées dans l'exposition de l'Académie d'art. Et ça, c'est le. Et là, on peut applaudir la performance. Oui, made it. Voilà. Entre mai 1940 et mai 1941, elle a voyagé à Stockholm. Elle entreprend avec Sophie Aminoff et son mari. Ça, on l'a vu, un travail à travers l'Europe. Donc, elle a visité toutes les villes, là, on l'a dit tout à l'heure. C'était la pneumonie, c'était une pneumonie. Lungelium ailment. Ouais. Ok. Ça me paraît logique, hein, c'était les poumons. Attendez, il y a une phrase, elle est magnifique. Je vais vous la lire, parce que c'est presque beau, la mauvaise traduction. Il y a écrit « Rotkrit a souffert de pneumonie ». C'est nous qui disons ça. Ouais, « Rotkrit a souffert de pneumonie et le voyage en Europe a eu un lourd tribut sur ses pouvoirs. » Non, mais c'est genre les pouvoirs. Elle avait des pouvoirs, hein, ouais, c'est sais, ça, sur les pouvoirs. Un lourd tribut sur ses pouvoirs. Donc ensuite, elle est morte donc à 28 ans. Après, il y a des infos sur son œuvre. Si tu me baisses un peu la page. Encore. Stop. On nous dit quoi ? Il existe près de 70 œuvres célèbres de Mathilda Rotkrit. Ben voilà, donc son œuvre comprend des peintures à l'huile sur toile. Oui, donc oui. Ainsi que des dessins et des croquis au crayon. Beaucoup de ses travaux sont gardés à la Société littéraire suédoise en Finlande. Mais elle est également représentée à la galerie Athénoun et Signaillet. Les premières peintures de Mathilda Rotkrit étaient des copies de travaux de deux artistes, je suppose. Au début de sa période d'études à Stockholm, elle aimait choisir des motifs religieux. Elle peint le Sauveur, l'Évangéliste, Jean et Sainte Cécile d'après le modèle d'Agnese Dolci. Alors il y a aussi Agnese Dolci qu'on pourrait ouvrir, mais qui manifestement n'a pas de page puisque c'est en violet. Ses premières peintures originales sont Swedish Peasant Boy et Reading Girl, toutes deux datant de 1834. Swedish Peasant Boy est peint d'après un modèle vivant, tandis que Reading Girl est une surpeinture d'une autre œuvre qui a un endroit visible sous la couleur. Ce qu'on appelle le fantôme en peinture. Ensuite, elle a peint aussi La fille de Vingaker en 1837, qui est l'une des meilleures peintures de Rotkrit sur le plan technique. Elle représente une fille vêtue d'un costume de vacances de Vingaker, qui est reproduit de manière détaillée et soignée. Le choix du motif peut être attribué à l'influence du professeur de Rotkrit à Stockholm, qui s'appelait Johan Gustav Sandberg, qui s'intéressait à la vie des gens ordinaires et qui lui-même peignit plusieurs motifs du Vingakers Big Diden. Pardon.
Je sais même pas comment on prononce ce A avec l'accent rond. Là. Je ne sais pas. Alors, il y a un autre, un autre tableau qu'elle a fait qui s'appelle Dévotion. Une jeune femme dans sa dévotion. En 1838, qui a eu une grande influence sur la façon dont l'art de Rotkreet a été perçu après sa mort. Cependant, il n'est pas clair s'il s'agit d'une copie ou d'une œuvre indépendante. L'artiste a fait don du tableau au théologien Bengt Olof Lille, et il est possible qu'il ait été réalisé spécialement pour lui. Aïe. En 1845, le calendrier littéraire Necken publie un poème de Bengt Olof Lille intitulé « L'ange de la prière », qui a été interprété comme une description littéraire de l'œuvre de Mathilda Rotkreet. Ensuite, on nous dit que B.O. Schaumann a fait l'éloge de la dévotion en 1865 dans Photographs of Finnish Painters, Painters, écrit pour sa simplicité. Il y a eu une influence de la Renaissance. Le critique d'art de... Uffvudstadsbladet. Signe Tante Belfeld. Signe Tante Belfeld. T'as lu ça uniquement pour pouvoir dire Tante Belfeld. L'a décrit en 1938 comme sérieux et émouvant. Une grande partie. T'es pas obligé de le lire. Je sais même pas pourquoi t'es resté dessus. Je sais pas. Une grande partie de la production artistique de Rotkreet consiste en des portraits de ses parents et des connaissances. Elle a peint entre autres sa sœur Aurora Theresia, ses deux parents, la baronne Sophie Aminoff, son amie Sophie Handlerper, dont on a ouvert la page déjà, hein, ouais. Il me semble. Le chambellan. Qu'est-ce qu'un chambellan? C'est un duc. C'est un baron, c'est un truc comme ça. C'est gentilhomme de la cour chargé du service de la chambre du souverain. Un chambellan. Tu t'as jamais vu un chambellan? Non, je sais pas. Alors, Expo, elle a fait ses débuts d'exposition en 1838 à Stockholm, lors de son Vingegaardtidningen, et un portrait de Sophie Aldenper ont été exposés à l'Académie des Beaux-Arts. C'est exprès. Oui. Deux ans plus tard, elle expose un portrait de Louise Moll, également à l'Académie des Beaux-Arts. Après sa mort, son travail a été présenté dans plusieurs expos en Finlande, d'abord à la Finnish Art Association à Helsinki, et ensuite à l'Athénum, donc qui est la galerie qui représente son travail post-mortem. Mais, Nina, s'il te plaît. En 1905, quatre de ses peintures ont été incluses dans une exposition sur les artistes femmes. Un critique au poste d'Helsinki a alors considéré que ses toiles témoignent constamment. Bon, on s'en fiche. Anna Kederlom. Après, c'est encore la déclaration, t'es pas obligé de dire. Hein. Regarde ce qu'il y a écrit. Anna Kederlom Modens. Ouais, mais en plus, ça a été traduit en plus. En plein c'est trop bizarre. C'est et c'est quelque chose, ça mais, Nina. Mais pourquoi elle lèche les couverts? Elle est bizarre. Décédée elle. Est une professeure de dessin, artiste et écrivain. Pas go, hein. Vas-y, go-go. Go-go gadget. Et ça, c'est. Rien. Donc. C'est une déclaration. Voilà. Le tableau, machin, fait preuve de patience. Ok, on s'en fiche. En 2002. Après, il y a eu une partie qui s'appelle « Première artiste féminine de Finlande ?» Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, donc quand on a dit que c'était la première artiste femme de Finlande, c'est quelque chose qui remonte à 1865, lorsqu'elle est nommée comme telle par Otto Schaumann, là, dans son Photographs of Finnish Painter Paintings. Elle cherche vraiment à manger partout, là. Descends, s'il te plaît. On nous dit, donc, cependant, on connaît quelques autres artistes finlandaises qui se sont consacrées à l'art avant Rotkreet, comme Margherita... Non, la pauvre, celui-là Kaspi... Non, bah, non. Je croyais. Oh 1700. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ça y est. Elena Armel. 1600 aussi. Ish. Aïe, 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 c'était pas en français. On est en train de passer dans le nord de l'Europe. Oui, bravo, nous avons plein d'artistes. Finlandaise, c'est magnifique. Génial. Ok, cool, on va regarder. Bon. Eh bien, on a fait beaucoup de... Attends, c'est quoi 1838? Oui, mais il y a marqué 1838 là. 1838. Et si on veut vérifier, il y avait avant 1838 aussi, je crois. Deux des peintures de Rotkreet ont été montrées dans l'exposition de l'Académie de l'Art. Voilà. On est trop contents. Contente.
voilà, donc une œuvre. Donc c'est la sœur Aurore Thérèse. Aurore Thérèse. Aurora Thérèse, si vous préférez. Ou Thérésia. Alors, je ne vais pas pouvoir vous traduire hein, beaucoup. Ça, c'est le... Ah si, c'est le vendeur de poissons. J'ai pas bien, du tout creepy, j'aime bien le vendeur de poissons. Shade of Grey, là. Mmh. Il y en a au moins 50. Hein. Oh, c'était nul comme blague. C'était archi nul. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait alors qu'il est insupportable ce film. Bon, j'aime bien les craquelures. Ouais. Tu vois, ça fait un effet, tu vois. Donc là, il y a la photo de Wikipédia. Portrait, hein. Belle coupe. Je pense que optons pour cette coiffure. Prochain stream. Dès demain. On fait un stream coiffure exprès pour ça. J'en ai déjà deux à faire. D'ailleurs, je vais sans doute changer de coiffure, hein, ne soyez pas choqués. Tu vas faire ça. Je vais faire ça. C'est un peu genre déjà, plaqué j'ai... anglaise. En vrai, c'est... les boucles, je les ai. Hein. Y a moyen. Y a moyen. Là, je commence un peu, là. Ici, ça se voit un petit peu, mais vite teuf. Ça commence, début de la boucle. Il y a un petit cocanou qui est en plus. Allez! Let's go! Ça, c'est qui du coup? C'est. Bon, j'arrive pas à traduire, je suis désolé. Hein, bah, mais là... c'est normal, tu sais pas traduire, c'est pas écrit dans une langue que tu connais. Bah, on est quand même en Europe, on aurait pu au moins apprendre un peu le finlandais dans notre vie. Bon, bref. Maon. Arrête de maïoler, toi qui manges partout. Mais... Ah. Ça te fait rire en plus. Oui. C'est pas marrant. La pauvre. Pauvre petit chat. Qui se fait caresser pour pouvoir avoir des miaulements. ASMR, mais ouais, mais c'est tellement ASMR là. Vous avez fait presque le ronron, tu vois. C'est incroyable. Mais c'est ça que je voulais faire, mais elle a miaulé. Bah en fait là on l'entendrait s'il y avait pas la musique je pense. Et la coupe de l'anglaise sur les nouches. Bah... Dur. Non, j'ai pas envie. C'est traumatisant après pour moi. Sinon cette coupe là. Hein. C'est la petite coupe comme ça là. Ça c'est la technique Napoléon. Mais du coup, il a genre... La Napoléon coupe. Une égalité de pilosité tout le long comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et genre, il a une moumoute de 10 cm. moi, je trouve que... tu sais, en fait, le sabot, là, il est sabot 5 cm partout. Non, c'est 12. 12, ouais, 12 cm. Partout, c'est beau. Aïe, 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 c'est pas bien de se moquer des coupes. Tiens, de on est retombé sur Elena Vostermark. C'est marrant, ça. Bah non, c'est parce qu'elle est finlandaise, je pense. Je m'en rappelle même plus. Westermark, ça date hein, maintenant. Ça fait 10 épisodes, je crois. Je l'enlève, hein, parce qu'on va encore oublier. Mathilda Rothkirch. Bah c'est bon, je crois que j'ai fait le tweet. Je crois que le Framapad est à jour. Je crois que tout est bon, en fait. On est bien, là. On est bien. Du coup, c'est la deuxième. On est déjà à 1h30. On avance au ralenti. Mais ouais, c'est on va y arriver. Là, on a trouvé plein de choses. Alors, du coup, ça, c'est une nouvelle. Donc, du coup, je rajoute dans nos onglets. Par contre, c'est en... Enfin, ouais, mais t'inquiète, on va traduire comme on a fait. Hein. Maintenant, on traduit direct. Les roues flaquettes qui se terminent au mollet. Au secours. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, par exemple, c'était la dame qui est... Bon, on va peut-être la mettre en anglais direct, celle-ci. Mais, ouais, elle est finlandaise aussi, donc du coup, c'est une qu'on a rajouté, rien de rajouté. Mm-hmm. Elle aussi. Et Anna Arnel, est-ce que c'est... Il y a de l'anglais. Oui, on va prendre l'anglais pour l'instant. Ça a l'air d'être la haute cour, quand même. Hein. Oui, elle, c'est une... C'était écrit, je crois. Mais c'est bizarre, parce après, que quand on a cliqué dessus, c'était en français, quand j'ai fait le clic droit. Oui, parce que c'était traduit direct. Non, ouais, c'est ça. C'est ça. Charlotte, Arman, au pire, on traduira le finlandais, hein, comme on a fait. Hein, c'est ce que je viens de dire, hein, tu sais, oui. Je l'avais annoncé. Hein. Et Sophie, qui était son amie, oui. Non, c'est son portrait, du coup, qu'elle a le portrait d'elle-même. C'est Rouflaquette style, c'est magnifique hein, quand même. On regarde quand même le portrait, c'est bien. C'est complexe hein, ce lisse bouclette. Enfin... Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'était Agnès Scapard, Agnès Dolci.
Mais on l'a déjà. On l'a. Ah non, on l'a pas. Mais je crois que c'est parce qu'elle était écrite en violet. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, il nous en reste deux qui sont de l'anglais. Il y en a une qui est très courte, je crois, et l'autre qui est aussi très courte. Je crois courte. Que c'est Lindy Lee qui est très courte. Ah non. Ah non. Bah, ça va, ça va. On peut faire celle-ci et on finit par la courte, comme ça c'est Allez. Fait. Allez. Lindy Lee. Donc, elle est née. Je me suis fait mal au genou. Juste pour rattraper la bouteille. Ah, mais alors elle est née en 1954. Elle a eu intérêt à avoir été exposée très tôt, cette dame. Donc c'est une peintre et sculpteur australienne qui est une des artistes contemporaines les plus connues de son pays. Son travail les cultures, enfin est un mélange des cultures australiennes et de la culture de ses ancêtres de Chine. Et c'est donc son travail explore sa foi bouddhiste. Elle a été exposée largement. Partout. Widely, c'est pas juste large. C'est partout. Partout. Parce que tu peux pas dire largement. Tu sais que ça veut dire quoi être exposé largement? Ben widely. Elle était largement exposée dans ce cas. Ouais, largement exposée. Non. Je sais pas. Elle était... Oui, c'est pareil. Hein. Exposée largement, largement exposée, c'est pareil. Hein. Ah, je sais pas, moi je trouve que c'est plus compliqué. Enfin, c'est moins français. Okay. C'est pareil, là, j'étais en train de me dire. Wisebot, normalement, on dit je t'en prie, on dit pas de rien quand on dit merci. Je crois. Merci de rien. Oui, en fait, ça se dit pas. D'après, je l'ai appris récemment. Ah ouais, mais bon. Enfin, j'ai on a pas le temps pour ce débat. Ça fait un moment déjà. Donc, elle a été largement exposée. Avec des expositions en dehors de l'Australie, et notamment aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour. En 2014, l'University of Queensland Art Museum a monté... Survey, c'est une sorte de recherche. Survey, c'est pas un. C'est une étude, c'est une grosse étude de recherche, quoi, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est quand tu mets. Genre, tu réponds à un questionnaire. Ah oui, ça peut être ça aussi, mais je pense que c'est en fait. Il y a plusieurs sens. Enquête. Une enquête, ouais, parce oui, que d'accord. C'est une recherche complète, quoi. Sur son travail. Ouais, donc pour une sorte de monographie, en fait. Enfin, bah non, une monographie, ça nécessite une exposition, c'est pas sûr. Ouais, ok. Bah non, une monographie, ah bon c'est un livre. Un livre, c'est une monographie. Enfin bref, une bibliographie, quoi. Autant pour moi. Alors, elle est née en 1954 à Brisbane, Queensland. Et c'est la fille, donc, d'immigrants chinois qui ont fui la Chine avec leurs deux plus vieux enfants. T'as fait un anglicisme. Qu'est-ce que j'ai dit? Désolé, t'as dit d'immigrants. C'est deux migrants, non? Je sais pas. Bon, je sais pas, oui, migrants. Non, deux migrants. Oui, mais j'aime pas migrants. Moi, je dis immigrants, comme en anglais. Non, ouais, d'accord. Et donc, moi, je le fais aussi, hein, t'inquiète. Ils ont fui donc la montée du communisme dans leur pays. Et donc, ces expériences du racisme en tant qu'enfant en Australie, couplées avec son expérience de... D'être étranger. Ouais, c'est ça, du mal de. Enfin, de l'expérience de pas connaître le pays, quoi. Ah non, d'accord, oui, le fait qu'elle soit à la fois. Oui, d'accord, ok. Le fait qu'elle ait été. Qu'elle ait vécu des expériences de racisme en Australie, et aussi le fait que quand elle retourne en Chine, elle est considérée comme pas chinoise, du coup. Étrangère. Voilà, étrangère à cause du fait qu'elle parle pas chinois. Alors, cantonais, pardon. Il y en a plusieurs. Bon, elle parle pas la langue chinoise, a contribué à son intérêt de mélanger ces deux cultures dans son travail. Donc elle a étudié à la Chelsea School of Art à Londres, après laquelle elle a considéré une carrière en tant que professeur d'art, mais tout en exposant des portraits et de l'art contemporain à Londres. Non, c'est plus en fait, excuse-moi, c'est exposure, c'est pas l'exposition, c'est pas le fait d'exposer, c'est le fait d'avoir une reconnaissance, en fait, de son portrait et de son contemporain à Londres.
D'accord, d'accord. Et parce qu'en fait, ça s'explique avec la fin de la phrase. Ok. Et autre part, en Europe, qu'il a décidé à devenir une artiste professionnelle. Ah oui, ok, donc c'est l'impact, en fait, de son travail. Ok. Pendant ses années d'études à la Sydney College of Art en Australie, elle a fait son premier portrait en utilisant des photocopies, une technique qui apparaît... qui a la caractéristique d'être utilisée beaucoup dans son travail. Bah non, dans ses in early work, c'est-à-dire dans ses premiers travaux, qui était déjà, oui, qui était déjà là dans ses premiers travaux. En 1980, elle commence à exposer son travail. Ouïouïouï. Une année. Attends, on a dit 1981. Attends, on est peut-être dedans, hein. Ouais, ouais. Alors, après des décennies à pratiquer son travail, elle a intégré l'University of South Wales et elle a obtenu son PhD en fine art en 2001. Conférencière en art visuel à l'université de Sydney et trustee, je sais plus ce que c'est en français, je sais même pas si on le traduit, c'est trustee, c'est les gens qui donnent de l'argent, je crois, non? Curatrice. Quoi? Ah bon? Une curatrice, d'accord, à la Art Gallery of New South Wales. Après, c'est pas même... Donc, alors attention, on nous a dit que dans les années 80, elle commence à exposer son travail. Si elle n'est pas en 80, en 81, les années 80, normalement, quand on dit les années 80, nous, on pense à 70, 80. 79, même. 70, 79. Je ne crois pas, non. Les années 80. Bah non, non, les années 80, c'est les années 80. Alors, le travail donc, de Lee commence avec un grand intérêt pour l'originalité et la reproduction en utilisant donc, des photocopies pour reproduire des portraits connus sur lesquels elle peint. Donc, elle va peindre, repeindre sur l'original work, donc sur ce qui est reproduit. Et donc, elle va commencer aussi à... additionner des portraits de famille et donc des portraits de famille avant de move into avant de changer de médium artistique et de passer aussi qui inclut aussi la sculpture. Donc au fur et à mesure qu'elle devient plus impliquée dans le bouddhisme zen, elle commence à incorporer des éléments de la religion dans son travail, qui se focalise souvent sur qui ont un gros focus, un focus assez lourd sur le thème de la souffrance. Elle reflète aussi dans son travail des thèmes Daoïste, c'est Daoïste. Ça, hein, c'est Daoïste. Je sais même pas ce que c'est. Taoïste. Taoïsme, d'accord. Voilà. Daoïste, c'est la même chose. Enfin, ok, ok. Donc, ouais. À des thèmes. Mais en français, je crois que Daoïste, on n'entend pas. On entend plus Taoïste, non? Ça dépend aussi, je pense, de la prononciation et du langage utilisé. Ok, ok. Donc, il y a des thèmes Daoïstes, on va garder ce terme, qui incluent donc l'interconnexion de l'univers et de la nature avec la nature et l'humanité. Elle a utilisé une grande variété de matériaux qui vont de matériaux de construction. Alors, Custlar, je ne sais pas ce que c'est. Custard. Custard. C'est un costard. La moutarde. Ah non, mixed cheese cream cooked with eggs. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de moutarde. Ça doit venir d'à peu près du même terme. Attends, on va regarder. Custard. Français. Ah. La cuisine québécoise. Transposition de l'anglais. Désigne toutes les préparations crémeuses réalisées en cuisant un mélange de lait ou de crème avec des jaunes d'œufs. La crème anglaise et la crème pâtissière sont des exemples de custard. D'accord. Okay. La préparation pour faire des quiches, quoi. Oui. Donc, elle utilise... Elle utilise donc une variété de matériaux qui vont
des matériaux de construction avec donc ce truc là, le custard, pour créer un trou, holes burn, creating burned holes on paper generated. Ah donc du coup cette préparation-là, ça crée des trous, des sortes de brûlures sur le papier Ouais. qui sont générées par... Bah comment ça s'appelle? Un fer à repasser. Waouh, c'est Soldering compliqué, iron, hein. c'est fer à repasser. Ah Un non, ça fer à c'est dur. souder. Ouh là là. Ok, autant Il est pour moi. compliqué son travail, Oui, donc elle soldering, fout c'est des trucs sur soudure. le papier et après elle les brûle, quoi. Oui, Okay. mais c'est souvent un peu le cas au fur et à mesure que tu arrives dans l'art contemporain. Mais en même temps, ce que je comprends pas, c'est que du coup, si tu mets un fer à souder sur du papier, ça brûle aussi, si t'as pas besoin du Kevlar pour... Non, ça doit faire des. Justement, ça doit être encore un peu humide et du coup, ça doit moins cramer le truc et du coup, t'as l'effet œuf, quoi. D'accord. Bon, on va regarder hein, de toute façon tout à l'heure. Donc, elle a fait une sculpture aussi de 6 mètres qui s'appelle The Life of Star, qui est celui qu'on voit à droite et qui est construit sur la devanture de la Art Gallery of South Australia, donc le parvis de la House Art Gallery of South Australia, après avoir été présenté en 2018 à la Adelaide Biennale of Australian Art. Qui s'appelait Divided Worlds. Donc ensuite, on dit quoi? Que les cercles concentriques de la forme, de cette forme, de la sculpture en forme d'œuf, fait référence à la symbolique de la connexion de l'univers via le concept utilisé dans le bouddhisme Mahayana. Donc, créé à Shanghai en 2015, en collaboration avec une fonderie D'accord. d'art, ouais, et la compagnie de fabrication UAP, la sculpture polie en acier poli, non, stain, c'est ouais, en acier poli, reflète tout ce qu'il y a aux alentours, tout ce qu'il y a autour. Tout en irradiant, enfin tout en créant une sorte de lumière aussi du fait du reflet. Et donc il y a 30 000 trous perforés qui ont été placés individuellement par l'artiste et qui ressemblent à une sorte de map, enfin une Une sorte carte de carte de la galaxie. de notre galaxie quand Quand lit from within. Quand tu zoomes dessus, vu dans When lit from within, c'est quand tu within, quand tu c'est, regardes à l'intérieur. je sais pas. Ok, très bien. La sculpture a été achetée par la galerie comme Un gâteau. Un cadeau d'au revoir. un cadeau d'au revoir pour le départ du directeur Nick Milzevich en avril 2018. Aïe aïe aïe. Alors. Et là, on a trop de dates qui sont trop contemporaines. Hein. Mais elle a commencé au début des années 80. Donc, on va falloir commencer à voir. Mais il n'y a pas de date, de toute façon c'est en bas à la limite, peut-être tout en bas il y a encore des dates. Eh bien, non, j'avais bien regardé. Ce n'était pas le cas. Donc, du coup, Bah go Google go, hein. go Google, je pense qu'elle a un site. Hein. Bah après c'est une artiste qui est plutôt assez contemporaine en vrai, hein. Elle est même pas morte. Attends, il y avait une autre page Wikipédia. Peut-être Aware aussi. Attends, checker Aware d'abord. Alors Parce que là, c'est écrit excusez-moi, c'est énormément écrit en petit. gris. C'est écrit énormément petit. C'est difficile à lire. C'est pas très inclusif. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre Lindy. Lindy Lee. Lindy Lee. Eh bien, non! Aware nous fait un peu défaut en ce moment. Ouais, on zoome. Oh, quelle horreur. Bah nous, on veut juste trouver sa date de monstration. On va pas tout Attendez, j'ai lire. peut-être changé la date. La lumière. La lumière c'est vraiment en gris. On peut pas faire en bold un truc. Attendez, je vais peut-être faire un petit tour hein, par le code. Voir. Vite off, si on peut changer ça. Bah non, pourquoi il. Ah oui, c'est parce que j'ai joué avec ça la dernière fois. Mais attendez, excusez-moi. Voilà. Non, 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 non. Je fais un tour dans le code, 3 minutes. C'est ça, exactement. Ok. Pourquoi mobile, 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 page, voilà. Section, div class, ok.
que c'est celle-ci? Non. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça? Je sais pas. Bah non, surtout que nous, dans le stream, on voit que la couleur du... Oui, du non, mais truc, c'est ça, je peux pas vous montrer le truc. J'essaie juste d'agrandir la taille de cette écriture. Ça a l'air d'être ici. Fond de style normal, je vais mettre bold. Je crois que c'est style qu'il faut changer. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Excusez-moi, c'était pas ça. Fond de size, on va mettre 24. On va changer la taille. 48. Ça, non, ça c'est le titre, on dirait. C'est que le titre que ça change. Ben, oh. J'ai l'impression, hein, parce que... Line 8. Déjà, la couleur n'est pas vraiment noire. On va mettre noir. Donc là, 13bis est en train de vous montrer que nous pouvons changer un site internet en consultation. Bien entendu, on peut pas modifier le site internet de l'intérieur, mais... Non, mais c'est juste pour pendant notre visibilité, quoi. 1,6 en line 8, non, c'est pas ça. Upkit. Body, mais si, c'est ça. Font, tac, tac, color, oui. Sheriff, oui, c'est bon, je viens de mettre... Non, ça, c'est bon. Body, on va peut-être rechanger la couleur, hein, parce que j'ai l'impression que ça a changé qu'un truc. Ça n'a pas rien changé. Ça veut dire quoi, boot? C'est-à-dire? Bah... Bouffe. Petit Kanganou, elle a écrit boot. Boot, je sais pas. Que veux-tu dire? Nous ne comprenons pas boot. Attendez, je vais faire un truc plus vénère. Mais ça marche pas en fait. Non mais c'est pas grave, on va lire comme ça. Tout ça pour mettre du Helvetica. C'est même pas du Helvetica en plus. De toute façon, on cherche juste sa date de première monstration. Alors. Stop. Maxine on a dans des quais. 2010 là. 2010, ouais, 80 ça, ici. Elle a étudié en 1980. Et en 2001, elle a reçu. Elle est devenue professeure. Ouais. Ok. Donc du coup, il y a. Elle a commencé. Ah mais il y a son CV. C'est très bien. 2009. 2001, alors en 75, 84, elle a eu son diplôme. Post-graduate, ouais. 75, elle a eu son diplôme. Collection, résidence. Je regarde, solo exhibition. Mais groupe exhibition. Mais ça, c'est magnifique. 85. Pourquoi groupe? Il y a 85 ici. Oui, mais 85, c'est hors du truc. En général, tu fais des expos collectives avant. Oui, mais en 82. 82. Attends, on va zoomer parce qu'il faut que je montre à tout le monde que ça, c'est magnifique. Alors ça, il faut toujours avoir sa petite liste. Hein. C'est toujours important. 82, on est tombé. Non, mais ça, déjà. C'est writing by artist, on s'en fiche. C'est... Oui, ne t'énerve pas. Ne sois pas impatiente. 82, je montre à tout le monde parce que nous, on l'a vu, mais ça veut pas dire que les autres l'ont vu. Ça vous va? Première exposition collective. Mais ça veut dire qu'on repousse d'un an, quoi. La frise. Ah oui, c'est vrai que 82, c'est en dehors. Bah... Bon, après, 80, 82, si on est passé à 81, on peut passer à 82. Hein. Oui, mais bon, à un moment, il va falloir s'arrêter à un moment. En même temps, ouais. Je trouve qu'une artiste qui est bah là, on l'a trouvée au pif. Oui, non, mais une artiste dont les parents sont des migrants chinois qui sont installés à Sydney, qu'elle est entre les deux cultures et tout, en vrai, c'est aussi des parcours qu'on ne trouvera pas forcément. Tu vois. Oui et non, c'est vrai que les années 80, ça permet ça aussi, c'est vrai. Ses parents, ils ont fui la Chine à cause du régime communiste. Non, mais c'est... Non, mais... Non, mais tu vois, du coup, c'est... Au niveau des périodes. Non, mais je veux dire, au niveau des périodes, ça... Parce que toi, tu voulais qu'on... Non, non, je voulais qu'on soit plus inclusif sur, justement, la diversité de parcours, c'est clair. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que là, sur 82, moi, ça me dérange pas de changer. Hein. Je vais mettre 83, comme ça, c'est fait, tu vois. C'est surtout que en fait, c'est l'excuse d'augmenter, c'est surtout pour pouvoir ouvrir un peu plus, bien entendu. C'est le but. Après, le truc, c'est qu'il faut quand même savoir s'arrêter, parce qu'on va là, on est déjà dans des expositions en 2015, quoi. Elle est toujours vivante, oui, elle est toujours active. C'est un peu le truc où on avait aussi un peu commencé à... Ah oui, mais en fait, d'accord, on avait ouvert, mais en fait, on n'avait pas du tout trouvé l'artiste qui était en 80, en fait. C'est non, la parce première. Que c'était pas 80, en fait. On avait trouvé la première... Ouais, d'accord. 82, du coup. 82. Mais en vrai, c'est très bien, mais tu vois, genre le truc de... Elle a fui le communisme, oui. C'est sûr que là, avant, t'aurais pu faire d'autres trucs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Bien sûr.
C'est pas un problème non plus, en fait. Hein. C'est pas ça le truc. C'est qu'on soit un peu plus inclusif, clairement. Qu'au moins, on soit un peu clair sur ça. Du coup, on va regarder son travail. Exact. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'en augmentant 83, on va avoir de l'art contemporain. La première visée de l'art contemporain, et là, clairement, on commence avec la première artiste, du coup, clairement, art contemporain, je pense. A boot. Désolé du retard, elle a cette phrase en homme. Ouais, bah, en fait, j'ai pas compris. A boot. A bit. On comprend pas le canadien. Moi, je la poutine. La poutine. La poutine. Arrête, tu te moques, mais il se moque de nous, j'espère. Oui. Parce que franchement, l'accent français, c'est pas la folie non plus. Hein. Écoutez les vidéos de Lina, ça, c'est... au moins on peut se taper des barres sur. Déjà rien que les Français parisiens qui s'écoutent parler. Je suis tombé sur le son. J'essaierai de le montrer peut-être à Outshift Stream. Le son enregistré d'un Parisien qui écoutait son accent. Ah ouais. L'accent de la butte aux cailles. Genre en 1900, c'était les premiers enregistrements sonores et tout. Et en fait, le mec il dit ah c'est trop marrant, je m'écoute, je m'entends comme ça et tout, ah c'est trop fou et tout. Il dit est-ce que vous entendez les autres accents? Il dit oui, j'entends l'accent de Saint-Germain-des-Prés. Et ça, j'étais mort de rire, tu sais. C'était trop marrant. Attends, il se moque de nous avec le cœur à ses raisons et son imitation de l'accent français. C'est quoi le cœur à ses raisons? Lui, quoi? Je comprends pas, hein, à la discussion. Lul. Lul. Lol. Lol. Il manque un L, alors. Non, il y a un L. C'est pas un L. L-U-L, il y a écrit. C'est un... Ah, la majuscule. La série culte. Je ne connais pas le cœur à ses raisons. Moi non plus. Je connais que le... J'imagine que c'est un truc TF1, parce que c'est le genre de truc que je ne regarde pas. Je connais que le cœur à ses raisons, que la raison n'a pas. Attention. Comme... Attention, petite pause. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est quoi, un soap opéra de 2005. Mais ça, c'est un truc canadien, ça, du coup. Bah oui, c'est pour... Mais ils se moquent de ça. Ah oui, non, mais en même temps... Ah non, mais ça pue le rla. Waouh. Waouh. Eh, j'ai sorti mon plus beau, ça pue. Ça pue du cul, hein. Mais est-ce que, du coup, on regarde un extrait? Parce que, du coup, c'est intriguant, hein. Non, je suis désolé, moi je veux pas, en fait. Je veux regarder son œuvre. Bon, regardons le travail de Lindy Lee. Une parodie québécoise des séries type Dallas. D'accord, ok. Non, mais Dallas, c'est pareil, en fait, j'ai jamais regardé, en fait. Donc, du coup, en fait, on me donne des trucs que culturellement je ne connais pas. Moi, je connais la chanson, parce que tout le monde me bourre avec la chanson, mais sinon, à part ça, je connais rien. C'est comme si tu me dis, tu vois, tu me chantes des chansons de Dave. D'ailleurs, la dernière fois, dans ton stream Petit Cancanouille, il y a des gens qui ont fait des refs à des chansons françaises que je ne connais pas, qui sont les plus connues. Genre, j'ai découvert le lac du Connemara il y a trois ans. Mais arrête. Je te jure. Ah voilà, c'est ça, regarde je te jure, je ne connaissais pas le lac du Connemara. Bon. Du coup, l'œuvre que quand on regarde de près, ça fait une constellation, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est 17 ans. Ça se voit ici. C'était ça la photo. Ah oui, donc elle fait des trous à la main avec... Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. C'est de la broderie, hein. C'est de la broderie de métal. Bah ça, c'est clairement des choses qu'on peut voir dans les musées. C'est magnifique. Oui, mais c'est joli. Enfin, c'est magnifique, oui. Ça, j'aime bien aussi les peintures. Ça, c'est pas elle, ça. Bah, pourquoi c'est le fond. C'est le fond, elle, je pense. Bah, si c'est elle, regarde, elle est encore avec le truc derrière. Je comprends, pour les chansons, il y en a plein que j'évite aussi. Mais c'est même pas que j'évite, hein. C'est juste que je les connais pas. Mes parents ne sont pas déjà dans cette position-là, donc c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien voir son œuvre. Culturellement, je ne connais pas ses chansons. Faut aller où, du coup, pour voir son œuvre, là, installée sur le parvis? Je sais pas plus ce qu'ils ont dit. Bah, c'était... tu veux qu'on aille chercher, c'est ça, là? Ah bah, c'est le Museum of Contemporary Art de Australia. D'accord, bah, je le verrai jamais, alors, du coup. Toi, tu voulais aller tu voulais y aller? Bah non, tu peux, j'ai peur d'aller en Australie. Tu peux, je connais des gens. Hein. J'ai peur d'aller en Australie. Ah oui, c'est avec les courses de Miguel, là. C'était en Australie aussi. Non mais oui, mais il y a trop de... Moi je peux pas, en fait, je suis pas une... Les vagues de Miguel, c'était incroyable. Je suis pas une aventurière qui aime les insectes, je peux pas aller dans les pays trop lointains. Désolée. Je laisse ma place. De toute façon, c'est pas forcément très le moment en ce moment. On est un peu pestiféré en France. Ah, donc là, elle verse.
Je peux comprendre le fait de vouloir tacher les trucs, les parquets comme ça. Moi, je personnellement, je comprends. Je comprends énormément. Je suis très, très, très pour ça. Wow. Ça a l'air vachement... Ah, donc du coup, c'était de la lumière qui venait de l'intérieur. Donc, ouais. Bah oui, parce que en fait... Non, parce qu'en fait, comme lit, c'est percé lit avec... From plein... within, c'était lit, le terme. Donc c'était, lui, c'était le... Ouais, mais ça peut peut-être lit from... English, please. J'adore ça m'a fatigué. J'adore tes recherches. Mais moi, je suis très naïf et tout. Je me dis, ouais, on va trouver direct, mais non. C'est la dernière fois, t'avais fait ça aussi. T'avais mis un... mais là, il va te mettre assis, éclairé, illuminé. Voilà, donc lit, c'était ça. Lit within, c'était donc le éclairé de l'intérieur. D'accord. J'avais mal traduit, mais c'est ça. C'est archi beau. On dirait qu'il y a un peu de vert. Hein. C'est marrant parce que là, on dirait qu'il y a des petits reflets, mais en fait, je sais pas si c'est juste le derrière ou. Mais c'est peut-être ça. Elle met son truc dessus et après, elle le crame là. Ça fait du coup les trous, c'est juste la lumière qui passe, mais. C'est joli. Après, c'est voilà, c'est. Ah oui, après, faut aligner la thune hein, quand même pour faire des œuvres en métal trouées. Hein. Bah surtout si tu la rémunères à l'heure de travail. Non mais, j'espère pour elle qu'elle est super bien payée. Mais ouais, le truc c'est genre, t'imagines le temps que tu dois prendre juste à trouver un métal. Wow. Déjà je vois, tu vois, genre le fait de poncer le métal, déjà c'est compliqué. Ouais, mais par contre c'est drôle parce que du coup les formes ça rejoint aussi, enfin là en tout cas des tiens, tous les... C'était ça, c'était le début, c'est pour ses premiers travaux. Donc là, je disais les cercles ça reprend aussi les formes des de l'art aborigène australien. Les ronds. Enfin, c'est juste les ronds, pas le style, oui, mais comme elle mélange rond, les deux. Le rond et la forme ovoïde, c'est un truc très 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 humain en fait. Oui, non mais d'accord, merci, mais le fait qu'elle fasse des ronds comme ça et des motifs et elle, dans son travail, elle est censée... Pas exactement des travaux à... On a vu des travaux aborigènes ? Bah les travaux aborigènes. Non mais on n'en a pas vu, mais la manière dont c'est fait l'art aborigène, c'est plein de points qui font des formes que tu peux taper. Genre, il y a des fois, il y a juste des ronds, des fois, il y a des tortues, des fois, il y a des trucs juste en rond comme ça, sauf que c'est de la peinture. Et donc, elle mélange l'art aborigène et l'art chinois, c'est ce qu'elle disait dans sa biographie. Et ça, c'est vachement bien en papier. Je trouve qu'il y a une fragilité qui est plus visible avec le papier qu'avec le métal. Même si le métal, ça le rend fragile et ça, c'est intéressant sur le rapport de pouvoir. Hein. Enfin, là, je vais chercher loin. Je suis en train de faire une étude du truc. Mais le... Ça, c'est du métal ? Non, je pense pas. C'est un papier... La tendrité de la pluie. Tendresse, peut-être. Oui, mais j'aime bien la tendrité. Oh là là, mais comme c'est incroyable. Et ça, c'est encore une vue d'atelier. Et ça, tu vois, genre, l'atelier contemporain est archi marrant au niveau des multiprises. Bah en même temps si elle fait des trous avec, merci, ouais, avec ouais. Ses fers à friser, ses fers à souder. Fers à friser. Waouh. On a dit tous les fers, on a dit fer à repasser, fer à friser. c'est dur le patriarcat dans la tête. Hein. Du coup tu vois, on comprend mieux maintenant l'histoire des tâches avec... Oui, oui. Effectivement. Bon, bah ok. Du coup il faut qu'on fasse on en a combien là, 3 ? On a fait 3, on peut faire la dernière. Hein. Allez, on fait la dernière et puis la dernière. Hein. Je fatigue. Traduit. T'as mis sur Twitter, t'as tout fait, c'est bon. De ton côté, tout est bon. Oui, bien sûr, depuis longtemps. Alors, notre dernière artiste pour ce soir s'appelle Eva Henrietta Hamilton. Elle est née en 1876 et morte en 1960. Et donc, c'est une artiste irlandaise. On retourne en Irlande. Et donc, elle était... une peintre de portraits et de paysages en watercolor painting. C'est-à-dire... Attends, ça fait 6 fois qu'on l'a dit. De la gouache. De l'aquarelle. Merci. Running gag. Donc, elle est... elle est née à Dunbroyle, County Meath. Elle est la fille de Charles Robert Hamilton, et de Laetitia Marion. Est-ce que Laetitia Marion, elle a fait quelque chose d'important dans sa vie ? Laetitia, L-E-T-I. Bah oui, c'est une artiste de portrait, de paysage. Très bien. Ouais, il y a écrit qu'elle a aussi une médaille olympique. Et son cousin, sa cousine, Rose Barton, qui est artiste aussi.
Oui, qui est aquarelliste. Et qui est watercoloriste. Donc Eva, Eva était la petite great granddaughter. La petite fille. De l'arrière petite fille de l'artiste Marianne Caroline Hamilton, que tu peux du coup aussi ouvrir. Bah ça fait déjà un bon gratin de d'irlandaise. Wow. Hein. Eva et sa sœur Laetitia, elles vont peindre, exposer et voyager ensemble. Eva va se spécialiser dans le portrait, particulièrement le portrait d'enfant qu'on adore. On adore les portraits d'enfants. Oui, magnifique. Elle va donc orienter son travail vers la peinture de paysage quand elle déménage à Castleknock. Eva. Pourquoi warning? Il y a un warning de ouf après? Mais non, mais c'est parce que... Ah! Non, mais c'est à cause des enfants, je pense. Ah. Warning. Eva a été... a reçu une éducation au Alexandra College de Dublin. Et elle va commencer à exposer avec la Watercolor Society of Ireland, WCSI. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me fait rire. À l'âge de 22 ans. Pourquoi tu fais un accent bizarre? Je sais pas. Eva a étudié sous l'aile de Sir William Open à la Metropolitan School of Art. Et donc elle est allée étudier donc avec Henry Tonks à the Slade School of Fine Art. Tu peux de l'accent. Hein. Si. En 1009, c'est pour faire plaisir à Petit Concanou, je sais qu'elle aime bien quand l'accent, je fais l'accent. Ah bon oui. Je suis pas au courant de votre discussion. 1009, je sais pas, je dis ça parce que j'ai envie. En 1009, c'est pour justifier le fait que je continue à le faire. En 1904, elle va exposer deux portraits de sa sœur à la Royal Hibernian Academy, donc encore le fameux RHA. Qu'on a vu la semaine dernière, qui avait des artistes qui avaient un nom, et après leur nom, il y avait écrit RHA. Et ça avait bien énervé 13 bis. Elle va exposer environ 120 travaux à la Royal Hibernian Academy entre 1904 et 1945. Et elle va aussi en exposer à la Irish International Exhibition en 1907. Elle appartient au Ladies Athenaeum Club de Londres et elle est aussi, bien qu'elle soit principalement basée à Dublin, elle expose aussi à Londres, à Paris et à Philadelphie. Elle peint des gens, des personnes comme par exemple Lady Isabella Augusta Gregory. Est-ce que Elisabetta Augusta Gregory c'est quelqu'un? Pour nous, est-ce que ça nous intéresse? Pourquoi? Bon, j'espère, est-ce que... Ah, on l'a déjà vu. C'est une dramaturge. Ok. Dites, encore. Ouais, ouais, bah, il est partout, de toute façon. C'est où? La National Gallery va acheter aussi des peintures à l'huile, certaines de ses peintures à l'huile, dont la peinture Rose Dorothy Brooks, qui vont acheter pour 1806,25 livres en 1997. Et elle va recevoir... Elle a... Quoi? Elle a une pièce... Ah oui, elle a une de ses pièces se trouve au Model Art Center à Sligo. Et donc après, on a la liste de toutes ses œuvres. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me baisser la page pour voir si après, par exemple, il y a écrit exposition? Non, footnote. Ok, donc on a tous ces tableaux. Mais je crois que j'ai vu des dates de monstration. Mais il faudrait que tu remontes dans la page. Ouais, excuse-moi, j'étais en train de vérifier. Bon, il y a 1904, elle montre deux portraits de sa sœur à la Royal Hibernian Academy. C'est déjà bien, parce que la Royal Hibernian, on avait déjà trouvé des trucs. Ouais, c'est le truc où toutes les Irlandaises, elles font des œuvres. Ouais. En fait, je crois que... En fait, on avait vu que c'était une école. Non, c'est ça, hein. C'est une école d'art. Oui, c'est ça, c'est l'école... Enfin, c'est devenu une école, mais... Oui, c'est une école. Une institution irlandaise.
avec une direction artistique, mais on l'a déjà expliqué tout ça. C'était l'épisode d'avant où il y a deux épisodes. Ouais, ouais. Donc voilà, donc du coup on a 1904, il y a 1900, tu vois, après, à partir de 1904 à 1945, ouais, en plus il y en a eu 120 travaux qui ont été distribués là-bas. Donc, bah 1904, très, très allez. Bien, hein. 1904, allez hop, c'est parti. Ah, c'est allé vite, hein, pour. Ah, c'est bien, c'est je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide là, sur le coup. Mais par contre, 1904, s'il te plaît, que ce soit, s'il te plaît, il y a pas vraiment, s'il te plaît, allez, allez. Ah oui, c'était 1905, on était pas loin. Je sais pas pourquoi il y a des groupes qui ont été faits. Et je le dis à chaque fois, et ça m'énerve à chaque fois, mais c'est bien. C'est bien, ça me rassure aussi un peu. Normalement, on a beaucoup d'Irlandaises dans la frise. Alors du coup, je vais pas faire de faute dans son nom. Je vais prendre Eva Renata Hamilton. Ce qui prendra pas beaucoup de place, j'espère. Bah, bien sûr que non. Surtout sur un truc où t'as plus de place. C'est vrai que j'ai plus de place en 1900, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Ouh là là. Bah, c'est pas grave, tu déplaces la dernière date en bas, comme t'as fait les... Ouais, bah c'était oui, ça le truc, hein. C'est vrai, c'était la technique. C'était la technique. Parce que du coup, le 20e siècle va tenir sur deux lignes. Exact. Alors là, vous voyez pas trop, mais parce que je suis juste derrière, mais vous inquiétez pas, hein, tout se passe là. Hein. Regardez bien. Donc du coup, on va prendre Gwendoline Wright. Gwendoline. Est-ce qu'on dit Gwendoline en anglais? Ben non, on dit Gwendoline, non? Gwendoline? Je sais pas, on dit Gwen, déjà. Ah ouais. C'est du vieil... C'est, je crois que c'est du vieil... C'est un vieux mot anglais, Gwendoline. Enfin, c'est un vieux nom anglais. Très utilisé à une certaine époque. Je sais pas laquelle. Me pose pas la question parce que tu es en train de me regarder. Je te vois. Ici, c'est le stream de l'à peu près, à une certaine époque. Stream de l'à peu près. Bah, attends. À une certaine époque, il y avait plein de gens qui s'appelaient Gwendoline. Non, mais c'est des vieux noms, c'est pas de ma faute. C'est de ma faute si les gens ils ont des. Enfin, non, pas, je peux pas dire ça comme ça. Ils ont pas des vieux noms exprès, quoi. Mais c'est des noms anciens, quoi, c'est tout. Mm-hmm. C'est tout. Il y a des trucs qui ont pas été pris, hein. Je vérifie. Hein. Souvent, c'est les noms, c'est 1915, ouais. C'est les trucs tout en haut là qui n'ont pas été pris en général. Ah si. Non, celui-là, je l'ai fait exprès. Ah, mais par contre, faut arrêter les gars, hein. Y a de plus en plus de dates où il y a plein de gens. Mais non, mais c'est nous qui devons arrêter en vrai. Hein. C'est pas le... La ligne, elle s'arrêtera jamais. Ouais, il faut arrêter d'être né au même moment. Hein. Bah ouais, mais le problème, c'est ça. Hein. Quand tu commences à faire une frise, c'est que tu te retrouves avec plein de noms. Mais pourquoi elle s'énerve, le chat? Il est à la fin? Ben non, il reste 40 minutes. Hein. Apprécier. Appression. Ça fait des clusters de dettes. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Donc du coup, on fait le récap. On n'a pas regardé les œuvres. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu les œuvres encore. Excusez-moi, je suis à l'ouest. De Eva Henrietta Hamilton. Je suis dans ma... Les enfants. Attends, moi je veux voir les portraits des enfants. Ouais, j'avais oublié l'histoire. Ah oui, d'ailleurs, on va d'abord faire un autre petit rangement. Parce que Laetitia... Angers. Voilà. Rose, Rangers. Ça aussi d'avoir des familles d'artistes, là. Mais c'est bien, parce que ça nous fait des groupes, quoi. La dernière fois qu'on avait eu ça, c'était avec les artistes turcs, non? On avait trouvé la mère, la fille, la sœur. Ouais. Ouais, il y avait ça. En fait, c'est en général plutôt cool. J'étais en train de réfléchir à de qui tu parlais, mais si je vois exactement, en fait. C'était Amrit. Non? Ouais, c'est possible. Qui était la mère Amrita. De... La tante de la... C'était sa tante, je sais plus. La tante de la sœur. Mais c'est pas du tout... Ah oui, parce qu'elle a fait des landscapes. On peut regarder vite fait. Ouais, vite fait, peut-être que... Parce qu'ils nous ont beaucoup lâchés, là, aujourd'hui. Hein. Elles nous ont beaucoup lâchés, je sais pas si... On devrait faire un truc, genre un tweet en mode... Ah, mais Ouais, il y a pas cet artiste. Pourtant, elle est très connue. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut pas... Je suis pas sûr qu'on fait des call-out, tu vois, genre... Ah, au fait, regarde. Je sais pas si c'est beaucoup accepté ou sympa, tu vois.
Surtout quand tu fais des recherches, nous on fait des recherches en ligne directe, tu vois, et parce que Wikipédia au final. Même si on trouve sur Wikipédia, c'est vrai que OER elle l'a pas. C'est un peu dommage, mais je sais pas si ça se fait en fait, tu vois, genre si les gens apprécient ce genre de truc-là. Bah, c'est des côtes irlandaises, hein, tout ce qui ressemble à Normandie. Pourquoi tu t'énerves? Mais c'est mon. Eh, hey, mais c'est mon crayon! Eh, hey, je l'ai perdu, c'est à cause de toi! Voilà, j'ai perdu mon crayon. Pour la sixième fois, j'ai perdu 15 fois un crayon qui est le même. Je l'ai acheté 15 fois. Et elle me shoot mon crayon. Chat de l'enfer. C'est pas possible. Elle l'a bien caché en elle plus. Fait exprès, elle fait exprès. Il y a un endroit où il y a une collecte. Mais ça, c'est mon sac, ça! Ça, elle fait comme dans le jeu avec Loi. Tu sais, elle pique tous les crayons, elle les met au même endroit. J'en peux plus parce que. En plus, j'ai joué à la Nina en le Untitled Goose Game. Et le pire, c'est qu'elle le cherche, hein. Mais oui, je sais, elle veut le bonbon clat. Bon, regarde les œuvres. J'en peux plus de ce chat. Il me fatigue. Déjà, avec Omori, la dernière fois, elle m'a fait péter un plomb. En vrai, c'était incroyable. Genre, moi j'étais trop dans mon émotion et elle est là. C'était incroyable. La dépression du. La dépression ah, il y a un enfant là sur le côté. Attends, là je regarde les œuvres de la dame. Donc ce qu'on a cherché comme nom. Si tu veux, je me précise même, je mets entre guillemets. Spécifiquement. Donc on en était à peu près là. C'est marrant parce que c'est comme on disait, des paysages et des portraits, comme c'était dit. Avec des grosses couches de. T'as plat. Voilà. Les beaux-arts. Ça, c'est exactement le paysage que j'imaginais quand on a fait le premier JDR avec la colline et les arbres. Et le petit chemin. C'était Cthulhu et c'était... Pour moi, c'était exactement ça, le truc où on était avec la vieille maison sur le côté et tout. Alors, c'est marrant parce que... Il y avait plus de forêts. Je rappelle que... Alors, c'est moi qui ai masterisé la scène. Du coup, je rappelle que c'était quand même un froid glacial. Oui, non, mais il y avait de la glace. Mais je veux dire, au niveau de la forme, c'était un peu ça. Les arbres d'un froid glacial, c'est-à-dire des arbres morts, pour moi. Parce que c'était... Il y avait une grosse invocation, quand même, hein, j'ai envie de dire. Ça, c'était vous, naïf, dans le jeu. Et là aussi, on faisait la fête. Ça, c'était Nibbler face aux bestioles. Et ça, c'était la deuxième partie quand on a découvert les... comment ils s'appelaient, déjà? Je ne me rappelle plus. Je les ai tellement remixés, là. C'était tellement raciste. Je vous rappelle que... D'ailleurs, on parle de Cthulhu, je vous rappelle que... Les Profonds, ouais. C'était les profonds. Mais je vous rappelle que les écrits donc du coup de cet homme je me rappelle même plus du nom. Oui, même qu'on a essayé de regarder la série et qu'on n'a jamais continué. Ouais, il faut qu'on finisse parce que ils ont bien trouvé donc Toulouse c'était ouais Lovecraft. Ils ont bien trouvé le ton à prendre dans la série. Je vous conseille de regarder la série. Lovecraft County. Et du coup c'est très marrant parce que j'avais tourné les profonds et presque comme une terreur sociale infondée. Et du coup, c'était intéressant de voir que et donc, du coup, de jouer... C'était basé sur les directions, c'est ça? Ouais, les directions. Plutôt que de le baser sur le racisme de Lovecraft, en vrai. Je me suis basé sur... Enfin, sachant que les directions, c'est un peu aussi une histoire... Ça raconte une histoire, mais... fait par les personnes concernées. Oui, c'est ce que je rappelle. Drexia, c'est un... Alors, je vous invite à écouter tout le son de Drexia. Drexia, très très bon, qu'on avait mis beaucoup dans le début du stream, d'ailleurs. Qu'on peut continuer, d'ailleurs, parce que c'est free Twitter. Et free YouTube, d'ailleurs, il me semble. Donc c'est cool. Ce qui est bien, c'est que ça fait partie des groupes qui réclament pas en fait, ce genre de trucs-là. Ils préfèrent qu'on participe à la musique. D'après ce que j'ai compris. Bon, bah c'est des petits tableaux de... Des petits... Je sais pas s'ils sont petits, d'ailleurs. Ils sont peut-être grands. Des tableaux de... Ouais, c'est les tableaux de paysage, quoi. Ouais. En fait, les tableaux de paysage, c'est un peu dommage, parce que c'est tellement du quotidien qu'en fait, on trouve ça banal, mais il y a des trucs qui sont vachement bien, des fois. Là, ça revient un peu ce qu'on a déjà vu de... Ça me fait on avait penser, déjà vu des œuvres en fait.
ça me fait penser à un truc. C'est un peu dommage parce qu'en fait, on perd un peu de la saveur du coup. Mais, qui a rien à voir, mais quand j'étais en. Faut aller voir les œuvres. Hein. Quand j'étais en CM2, notre prof, elle nous avait fait faire des peintures d'un espèce de village avec des maisons et des toits. Des maisons et des toits un peu comme on a vu sur l'autre truc. Et il fallait faire la profondeur et tout, c'était archi dur. C'est toujours dur. C'est toujours dur. Après, il faut avoir des bonnes bases comment dire, de perspective, en fait. À partir du moment où t'as appris un peu la perspective, c'est faisable. Oh, mais quand t'es en CM2, t'as pas appris la perspective. Eh bien, figure-toi... Non, mais je veux dire, à notre époque, tu vois. À notre époque, c'est un peu l'élémentaire, hein, la perspective. Bah, moi, j'ai pas appris la perspective en élémentaire dans mon école de quand j'étais petite. Hein. Ouais, bah, je sais. Moi, je l'ai appris en élémentaire. Pas à l'élémentaire en elle-même, mais à l'époque de l'élémentaire. Voilà, voilà, je suis un vieux. Bon, bah voilà, le petit récap en rapide. On avait fait... Donc on a fait déjà, on peut faire Lindy Lee, hein, parce que c'est la dernière. Lindy Lee en 1982. Je vais un peu déplacer Eva Rubinstein, comme ça, alors tout le monde aura de la place. Eva Henrietta Hamilton. Juste au-dessus, 1904. On avait fait... qui d'autre? Je ne me rappelle plus... Il y en a une en 1800. En 1800, oui, c'est vrai. Et qui était sur... 1800, je crois que c'était 1800 le début. 1838, je crois. Ouais, je crois aussi. Là. Non, c'est pas 1838, c'est... Bah si. Si. Bah. Non, c'est pas 38, c'est... Il y avait trois noms. Il y avait trois noms, je me rappelle. Ouh là là, on commence à se perdre. C'est parti. C'est pas 1938? Non. 1928. Bah, y'a pas ça, ça commence à 1840. Bah, de toute façon, je peux rechercher les noms, hein, mais. Aïe aïe aïe. Bah, tiens, pourquoi c'est totalement décalé? Ah, c'était Farim Nisazaid qui faisait partie des artistes turcs. On avait découvert la famille. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est en 1900, du coup. Qu'est-ce qu'on a fait? Faut que je regarde dans Twitter, mais là je suis en train de chercher dans la prise. Hein. Je regarde le Twitter après, on va trouver direct. Eva Henrietta, hop, Twitter, vite teuf. Ou le Framapad, petite promo, Frama. Enfin, la promo Frama. la promo d'un outil gratuit. Donc 29, nous sommes dans l'épisode 29, donc l'épisode 29, il y a Lindy Lee, Eva Arrieta et Mathilda Rotkreich et Augusta Sauvage qu'on avait mis en 1938. C'était Augusta hein, qu'on avait mis. En 1938. C'était ça, c'était 1900. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Augusta Sauvage, 1929. Ah, ouais, c'est juste 29, ouais, c'était pas 30. Ok, et donc Et Mathilda Rockrich, qui est du coup, normalement, celle qui était la plus âgée. Bah oui, c'est donc, pour du ça, coup, c'est c'était 1600, c'est... peut-être. Ah. Ce que je me dis. Ah. Bah non. Elle est où? Parce que c'est bizarre. Marie-Suzanne Rolland. Ah non, ça, c'est... Qui, c'est pas possible que c'est en 1800. Si? Si, c'est le portraitiste de Finlande, c'est ça, Mathilda Rockrich. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, attendez. On va réouvrir vite teuf, hein. Ah, ou alors c'était 1904, non? Non, mais là, faut pas dire au hasard comme ça. Mais il y en avait une qui était en 1904. Bon, allez, on revient. Hop. C'est où déjà qu'on a fait? 1908 qui dépasse de trop, oh mon dieu. Mais non, ça va en réalité. Ok. Mais c'est trop bizarre. Est-ce que petit cancanou, tu te rappelles, toi? Oh là là, le chat. Oh là là, le chat. Casse tout. C'est un truc de ouf. Mathilda Rockrich. Qu'on avait en plus traduit. Ou alors, on l'a même pas mis? Bah, ça me paraît bizarre, quand même. En tout cas, c'est Mathilda. Hein. On est d'accord, quoi. C'est elle qu'on a quitté. Ouais, c'est forcément en 1800. Oui, 1800... c'est 1800, forcément. Ah bon, attendez... 1838, c'était... Donc elle est pas dessus. C'était 1800... Comment ça, 1838, c'est... Oui, c'était 1838. T'es sûr? Bah oui, on vient de regarder. 1838, oui, est-ce qu'on n'a pas regardé son travail? On l'a pas mis. Possible, hein. Bah du coup, on la met. Hop.
le petit check de fin de stream. Ça arrive des fois. Le récapitulatif arrive après. Ne vous inquiétez pas. C'est quand on est genre archi fatigué. C'est, non, c'est la deuxième. Alors, je vais être sympa avec nous-mêmes. C'est la deuxième fois. C'est juste la deuxième fois. Ça va. Franchement, sur 29 lives. Et x 4 pour. Si vous voulez calculer. 38 ans. Hein. Mm-hmm. Oui, c'est ça, en fait, fallait que je la mette là. Ouais, mais je sais pas, t'as dû. On a dû parler d'autre chose et puis. Bonjour le chat. Tu as perdu mon crayon, donc non, tu n'auras pas de câlin. Pas aujourd'hui. Tu as perdu mon crayon, je suis dégoûté. En plus, tu viens de te la péter à côté de moi pour faire genre, ouais, tu sais, je t'aime bien quand même. Je t'aime bien, t'as besoin. Sauf que je t'aime bien ou donne-moi à manger. Oui, c'est un peu les deux. Mais t'inquiète, tu vas manger, Nina, tranquille. Hein. Il te reste encore un peu de temps, en plus, t'es en avance. T'en avances de à peu près 20 minutes. Ce fin à chat. Ce chat à faim. Ce fin à chat. Mais, parle au micro. Ah, vous aviez eu un petit ASMR frottage de micro là. Elle est fatigante. C'est un vrai chat. C'est un vrai chat. Moi, je trouve que les chats, depuis qu'on a quand même virtualisé toutes les réunions, etc., les streams, machin, et que tout le monde est plus ou moins habitué à avoir l'intérieur de chez les gens. Ils ont pris le pouvoir, mais il y a des chats dans tous les endroits virtuels. Genre, ils miaulent, ils montrent leur tête et tout. C'est trop bien. En fait, moi, ils attendaient que ça. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, c'est rassurant. Tout le monde a un chat insupportable chez soi. je trouve que c'est vachement bien. Après j'imagine, tu sais, c'est de la projection et tout. Mais j'imagine, tu vois, genre le chat qui se la pète. Peut-être ils essayent de communiquer à distance. Ils se disent, si on se met tous devant la caméra, peut-être qu'au bout d'un moment on va se rallier. Alors, est-ce que ça humanise ou ça cat-humanise ? Ça cat-use. Parce que humanise, je sais pas. Hein. Allez, récap. J'ai fait une note, je sais pas pourquoi j'ai fait une note avec une description pour le live, mais bon, vas-y, c'est parti. Bon, récapitulatif, on l'a fini du coup. Alors du coup, on a beaucoup de choses à voir la semaine prochaine, parce qu'on a, en fait, au final, on a ouvert que 4 pour aujourd'hui, pour cette semaine, parce que déjà, il y a un problème de 4G, je le rappelle. Il y a un problème de qualité du stream aujourd'hui. Sans doute une qualité qui sera aussi revue jusqu'au début de juin. Un problème de live translation lente qui a fait que voilà, nous avons passé une heure sur la même page. Non, on a passé 30 minutes, c'est raisonnable. D'accord. Et en plus, c'est bien, c'était intéressant. Et il y avait quoi d'autre ? Il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire. Omori, ce week-end, chez Chipstream. Alors, le truc... Avertissement, interdit moins de 18 ans, le stream devient interdit moins de 18 ans, tous ceux qui ont plus de 18 ans, faut sortir la carte d'identité. Hein. non, je rigole. À partir du moment où vous êtes là, sachez que c'est avertissement, dépression, anxiété, suicide, potentiellement. Potentiellement, oui, enfin, c'est quasiment sûr. Non, c'est sûr, même. Il y en a un des trois qui c'est sûr. Le deuxième, c'est sûr. Le premier aussi, c'est sûr. Le troisième, c'est sûr. L'anxiété, je pense que c'est un peu moi qui subis. Pour l'instant, en tout cas. Le jeu est très bien, très beau. Ça traite de sujets qui sont graves et importants à parler. Donc voilà, je suis à fond dedans. Je mets les deux écouteurs, c'est le seul jeu où j'ai mis les deux écouteurs. Hein. Et voilà, donc le stream passe en 18, il y a un super avertissement partout. Là où vous voulez chercher. Et tu le passes en plus 18 dès le début Dès le début. Ouais. À partir de comment on va, presque même. Le truc, c'est ça va durer peut-être un peu de temps parce que je le traduis aussi en live. C'est pour ça que je voulais me restreindre sur la traduction aujourd'hui. Et sinon, on rappelle Petit Cancanou, hein, Petit Cancanou qui est ici, Petit Cancanou, bonjour, vous êtes là. La petite chaîne YouTube qui va être mise à jour avec ce week-end pour la première fois Survivaliste. Donc, ce qui veut dire que en replay, il y aura Survivalist. Alors, je vous rappelle En replay sur le YouTube de la chaîne 13bis. Voilà, mais regarde, ça apparaît en même temps.
Je prépare mes choses, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut préparer les choses à l'avance, parce que dans la discussion, ça peut couler de source, comme ça. Et du coup, l'idée, c'est que, survivaliste, je vous rappelle qu'on a on élève un singe qui devient... Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Comment il s'appelle? Il s'appelait Rasputin? Non, c'était qui? Nicéphore, le singe. Nicéphore le singe. C'est ma hantise, mon cauchemar maintenant. Qui a défoncé toute l'île. La rediff, oui, est sur Twitch pendant pas longtemps en fait. Le truc, c'est que, enfin, si, pendant 2 mois. Les rediffs, je les coupe en temps fort pour pouvoir les envoyer directement sur YouTube, les récupérer en coupe directe, plutôt que de m'amuser à faire du montage. Du coup, j'ai déjà fini les montages, et c'est aussi pour ça que c'était lourd, et que j'ai utilisé toute notre bande passante pour recroqueviller tous les streams qui ont été cassés. Comme vous pouvez voir, j'ai réglé le problème la semaine dernière. Voilà. La rediff de dimanche avec Omori, merci. Alors, c'est avertissement, petit coq à nous. Soit faut être calme avec Omori. Donc le Twitter pour pouvoir suivre en live toutes ces informations que vous voulez chercher. Bientôt, peut-être ailleurs. Disclaimer de Twitter, nous avons été retweetés par le... Ça c'est archi bien, c'est archi bien et archi marrant. Alors, je vais vous citer parce que ça c'est trop bien. Alors, on a... Quelque chose d'improbable, on a découvert la semaine dernière. On a découvert que on a été mentionné. Alors déjà, les mentions de Twitter, il faut aller les chercher, hein. Mais... Je n'ai pas mon Twitter 13 bis sur mon téléphone, mais l'Alliance française de Bhopal Indoor nous partage assez... Alors, c'est tous les 10 jours, apparemment, les épisodes qui sont sur YouTube. Donc, on redit merci, parce qu'ils ont partagé hier. Et alors, je vous fais la traduction. Donc c'est pour leur forum de la génération de l'équité. Equality, c'est ça, on peut dire équité ou égalité. Mmh. Ils veulent partager 2 fois dans le mois des vidéos qui présentent des femmes artistes. Et donc ils ont posté, deux vidéos de notre chronologie, donc les 2 premières. C'est possible qu'on devienne totalement international. Célèbre en Inde. Je pense, oui, clairement. Mais après, c'est l'Alliance française. C'est l'Alliance française, oui. Ça s'adresse principalement à des expatriés. Est-ce que ce serait pas la colonie avancée de la France? Je ne sais pas. En tout cas, le truc, c'est que voilà, on est partagé par ces personnes. Alors qu'il y a 3 abonnés sur le Twitter. Ouais, le Twitter est là principalement pour des informations. je peux comprendre que les gens ne s'abonnent pas. Le YouTube, c'est pour les archives, je rappelle. Donc du coup, toutes les archives, c'est Chipstream et Chronologie des femmes artistes. Donc on a le lien qui est déjà apparu dans le stream. On n'oublie pas du coup le Utip que j'ai mis à jour d'ailleurs, parce que j'ai vu en fait que Utip n'était pas du tout à jour. Si vous voulez participer en nous donnant, alors c'est pas Utip, c'est don, en donnant des dons, c'est par Utip. Après, le truc, c'est pour pouvoir, enfin. Expliquons le truc. La démarche, c'est pour pouvoir augmenter le chronologie des femmes artistes. Pas augmenter du coup tout le cheap stream. Le cheap stream est amené à être cheap. Donc l'idée, c'est que c'est pour avoir les partenariats potentiels de Gallica et Ina, que je force aussi du côté de Histoire Crépue, qui soit lui aussi sponsorisé. Gallica, Ina, les grands trucs d'histoire qu'il aimerait avoir. Et bien entendu, nous aussi, parce qu'en fait, le truc, c'est que vu qu'on fait une chronologie des femmes artistes, on a besoin d'avoir accès à potentiellement des endroits. Et donc, du coup, le fait de faire Utip, ce serait pour décharger, entre guillemets, notre travail, ou augmenter le matériel, augmenter l'ordinateur qui va d'ailleurs, ce genre de truc-là. Voilà, le temps passé, bien entendu. De toute façon, c'est écrit, je crois, j'ai tout précisé. S'il faut que je précise un peu plus le descriptif de pourquoi, comment, etc., de la thune, c'est easy, hein, je peux le faire, c'est très 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 facile, je l'ai calculé déjà. Du coup, pas de problème, c'est si vous voulez. Et en plus, c'est nul, les alertes de Utip, j'ai vu, j'ai pas envie de les mettre. Voilà, et du coup, nous, on fait ça pour l'instant tranquille, on verra plus tard.
On a un abonné sur YouTube. Oui, depuis le début. Ça doit être. C'est comme MySpace, tu vois. Ah oui, d'accord. Il y a Tom qui est arrivé, et je pense que c'est Stan pour YouTube. Je comprends. Et en fait, voilà. Donc l'idée, c'est sur YouTube, j'ai juste mis à jour récemment. Donc du coup, vous avez aussi tout le truc des réseaux sociaux. Donc il y a le Twitter et le YouTube qui se retrouvent à cet endroit-là. Voilà. Voilà, hey Stan, exactement. Et quoi dire de plus? Bon, c'est déjà pas mal. Marinette Perrin, dimanche. Non, elle sera pas là. Elle sera pas là, ouais. Du coup, il y a Histoire Crépu qui recommence le 4 juin avec Françoise Vergès qui va être du coup en discussion avec lui. Et d'ailleurs, on fait peut-être la petite promo. Est-ce qu'on fait promo Françoise Vergès, Someboy? Vergès. Je dis Vergès, oui, excuse-moi. Vergès. Someboy. Petite promo livre. Je sais pas s'il. Ah si, ouais. Si, pour situer l'auteur de l'article, Someboy. Non, c'est pas ça. C'est Shed Publishing, je crois que c'est ça. C'est le livre. Mais il a dû utiliser. Voilà. Que je ne vous ai pas montré parce que vous n'avez pas accès à Chrome. Voilà. De la violence coloniale dans l'espace public. Voilà, c'est un livre que je n'ai pas encore, mais je vous conseille quand même, au cas où. Je pense que c'est un bon achat. C'est un achat qui peut être intéressant, en tout cas, parce que c'est sur Paris, sur la France et sur son rapport public. Donc, a priori, c'est un livre qui est majoritairement rédigé par Françoise Vergès avec des contributions de Someboy, ce que j'ai vu en bas. Ils ont travaillé ensemble. Voilà, il a même trollé la page, c'est Someboy, vrai nom. Voilà. Ouais, c'est son. Il utilise ça, c'est son nom d'artiste complet. Voilà. Donc, du coup. C'est beau de pouvoir signer avec Someboy. Avec un petit smiley. Et du coup, l'idée, c'est que Petit Cancanou sera là mardi. Mardi, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais du coup, j'espère que ça va être marrant. Comme pique-nique. Que d'autre? Pas grand-chose. Je sais pas, du coup, il n'y a pas Marinette. Je peux conseiller Maudit. Toujours aller voir Maudit. Aujourd'hui, il y a eu Among Meuf, la team Among Meuf qui a fait un super truc sur le slut-shaming des femmes qui utilisent Twitch dans une piscine. Donc, tout à fait accepté par Twitch, du coup. Sauf quand il y a des mecs qui les font chier. Voilà. Donc, du coup, c'était vachement intéressant. J'ai écouté ça toute l'après-midi, c'était vachement cool. Et du coup, je vous invite à aller voir. Elle a ensuite enchaîné en plus sur la lecture d'un livre qui s'appelait Salope, je crois. Et voilà, sur le slut shaming, toujours. Voilà. C'est toujours en rediff, donc allez-y, c'était aujourd'hui. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Chronologie des femmes artistes, je crois. Oui. Voilà. C'est possible qu'on ait un chouille de retard, mais pas beaucoup. Voilà. C'est. Genre, l'ouverture des frontières, tout ça. Genre 15 minutes. Mais voilà. On va essayer d'être dans les temps. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Des bisous, petit cancanou. Des bisous. Je vais envoyer plein de cœurs dans le super chat. Et salut. Des bisous.